Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très très bon jeudi. On se retrouve en ce 2 novembre 2023 sur du cyberpunk, j'espère que bah, tout va bien pour vous. Moi j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai ma chaise qui part en lambeaux. Et le Yura d'ailleurs, j'ai vu que tu es arrivé en avance. Alors regardez, regardez, je vais essayer de voir si c'est possible de vous montrer ma chaise, mais en gros elle est en train de terminer. Vie. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Alors attendez, je sais pas si on va voir. Là, en gros, c'est en train de... En gros, là, la vis a été enlevée. En fait, la vis ne retient plus ici. Donc en gros, bon, c'est peut-être dangereux déjà ce que je fais, c'est que ça va pas aider. Et en fait, vu que la vis ne tient plus, le dossier est en train de se barrer petit à petit. Et en fait, il tient plus du tout le dossier. Regardez, regardez juste comment il bouge le dossier. Bon là on se rend pas bien compte, mais c'est pas, il bouge pas comme ça d'habitude. Donc voilà, voilà voilà. À part ça, bah voilà. Pour ma part, bah, du coup j'ai passé ma journée sur du montage, j'avais de la, du retard. Voilà, donc j'ai avancé sur ça. J'espère que de votre côté tout va bien, que tout le monde passe une très très bonne soirée, si ce n'est à passer aussi une très bonne journée, voilà. Je suis très content parce que ma vidéo backroom là est en train de bien marcher. On voit que ton dossier bouge beaucoup. Ah ouais, bah là du coup je peux plus, en fait je peux même plus m'asseoir sur mon dossier pour tout vous dire parce qu'en fait il est trop loin. Normalement il est censé être là mon dossier alors que du coup il est là. Voilà, c'est nice. Mais voilà, voilà, voilà. Et bah tu retournes sur quoi? Tu vas jouer à quoi Tira du coup? En tout cas merci d'être passé. Et puis nous pareil on va continuer Cyberpunk ce soir. Pas mal de choses de prévues. Puis voilà, tranquille, tranquille, tranquillou. Mais ouais, j'ai hâte aussi. Alors du coup, il y a énormément de choses cette semaine, comme je disais, je crois hier. Mais on a du Fortnite, on a la grosse saison de Fortnite qui arrive. Avec on ne sait pas trop quoi, j'ai hâte. Je suis en l'heure sur mes devoirs. Ah, car demain Fortnite. Demain soir, on sera dessus. J'ai très très hâte, et bah merci pour le lurk, bon devoir à toi, et puis si jamais on est là, si t'as besoin d'aide, bon après je pense que tu t'en sors, parce que vu ta moyenne, je pense que tu nous apprends plus de choses. Bref, en tout cas, j'espère que vous êtes prêts, on va avancer, alors je ne sais plus sur quoi on doit avancer, mais on va papillonner je pense sur Cyberpunk ce soir pour se remettre dedans, parce qu'on a terminé du coup Spider-Man 2, qui était un très très bon jeu, bien que le prix n'était pas justifié. Le jeu est très très bon, mais il ne vaut pas les 80€ que le jeu affiche. Pour moi, il vaut 20€ de moins, quoi. Il y a un trailer qui est sorti. Bah en vrai, j'ai pas envie de me spoil, mais je suis... Oh, trop cool, bah c'est très très gentil de l'avoir mis sur le Discord. Moi, je pense que je le regarderai pas. Comme ça, je vous aurez ma réaction en live demain. Je pense, ce sera le mieux. Ce sera pour le mieux. En vrai, comme ça, ce sera parfait demain. Et puis, je pense qu'il y aura Ota. Ota, à voir si toi, t'es chaud et si t'es pas trop fatigué. Peut-être qu'elle sera là en début de soirée. Et puis après, ceux qui veulent... Re, il y aura Re, du coup. Comment tu vas? Et voilà, du coup, on verra tout ça demain. Et puis, en fonction de la fatigue générale... Moi, je serai là, je serai OP. Surtout que, du coup, demain après-midi, on continue bah, Cyberpunk. Demain après-midi... demain après-midi c'est Cyberpunk et voilà tout simplement, et après on aura du coup normalement du Valo avec Corroy samedi soir, et j'ai très très hâte. Ça fait un moment qu'on s'en est pas fait du Valo, et il m'a offert un cadeau, donc encore merci à Corroy. Il m'a offert un petit cadeau, Corroy, et il voulait que j'ai un skin. Il m'a offert un skin, vous le découvrirez demain, mais voilà. Voilà, voilà. Ouais, bah en plus tu travailles le lendemain, donc je comprendrais que tu restes pas longtemps, quoi. Voilà, voilà. Mais tu ne veux pas te faire spoil un ancien chapitre? J'ai jamais joué aux anciens... Enfin, si, j'ai joué une fois, mais j'ai pas envie de me faire spoil, en fait, ce qu'il y a d'ancien, en fait. Mais voilà, donc je vais voir ce qu'il y a de nouveau dans l'ancienneté. Voilà, on va voir ce qu'il y a. Bref, ouais, comme tu dis. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Yura. Et puis que t'as passé une bonne journée. Du coup, j'ai vu ce que t'as envoyé sur Discord, sur ton Discord, Yura. Je suis allé mettre mes dispos. J'en rajouterai quand j'aurai plus d'infos. Parce que là, du coup, j'ai peut-être mes employés temps qui vont changer au boulot. Donc encore, parce que c'est la rentrée, il y a pas mal de choses qui bougent.
Donc pour l'instant j'ai mis ce que, dont je suis sûr. J'ai voilà, en fonction. Voilà voilà. Donc j'ai mis ce dont je suis sûr et si jamais j'ai plus d'infos, bah j'actualiserai en temps réel je pense. Et puis si ça bouge pas, c'est que bah ça change pas de ce que j'ai actuellement. Mais voilà, si jamais c'est possible, je pense que je pourrais rajouter un créneau. Et le seul créneau que je pourrais mettre, je pense que ce sera le vendredi midi. Enfin vendredi après-midi. Et encore, ça dépend à quelle heure je termine. Ça dépend à quelle heure je termine, mais je peux si jamais être là pour un vendredi après-midi quoi. Après ouais c'est samedi après-midi. Et non après avec Corwin on a prévu depuis un moment le samedi soir. Les dimanches soirs c'est mort. Les mardis c'est les lives où je reviens après une semaine. Ouais du coup après voilà ce sera mes seuls dispo je pense. Ouais voilà c'est j'aurai 3 dispo en vrai parce qu'après ouais c'est tout déjà booké quoi. J'aurai emploi du temps de ministre. Ouais voilà. Donc c'est compliqué. Après moi si jamais je suis le seul à être de par exemple la dernière personne qu'on attend, c'est pas grave. Au pire plus tard je rejoindrai le groupe en cours de route, vous me prenez une petite formation après coup et puis je rejoindrai en cours de route, c'est pas bien grave hein, en vrai. En vrai moi ça me dérange vraiment pas ça. Vous devez lancer sans moi à ce propos. Moi c'est vraiment pas un souci à ce niveau-là. Voilà, ouais. Surtout que bah justement comme je dis je suis booké et du coup bah je dois faire des concessions mais en vrai moi je suis chaud de jouer avec vous mais si je fais pas le lancement avec vous c'est pas grave. Enfin moi ça va pas me. Du moment que je joue avec vous, moi ça me va. Juste trouver une date et puis voilà. Voilà. On trouvera bien un moment et puis même si c'est pas le lancement, en vrai j'ai hâte de découvrir le jeu quand même parce que Moria sur un univers de Seigneur des Anneaux, j'ai hâte de découvrir en vrai. Donc voilà. Ce soir, Cyberpunk, du coup, on reprend après la fin de notre cher Spider-Man et donc on va poncer Cyberpunk. Voilà, jusqu'à là, on est loin de la fin, je pense qu'on est. On est très très loin d'avoir fini le jeu. Et je vous propose qu'on parte tout de suite. Voilà, donc encore. Voilà, juste en général, merci à tous ceux qui commentent les TikTok. Je vois qu'il y a énormément de TikTok et même de. Il y a énormément de choses qui se passent. Des fois, je suis un peu submergé par le tout. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde. J'essaye de faire au mieux. Mais voilà, en ce moment, vu que là, c'est ma semaine de vacances, je reviens de 3 jours de repos, j'essaie de répondre un peu au compte-goutte à tout le monde. Et donc, encore merci à tous ceux qui commentent et qui mettent des likes et tout ça. Et donc, voilà, c'était très très gentil. J'ai vu que, bah, du coup, la vidéo Backroom a bien commencé. Elle est bien... elle fait pas mal de vues, donc je suis très très content. Donc, en tout cas, merci à tous ceux qui ont laissé un petit j'aime et un petit like. Voilà, en tout cas, on est parti. Et puis, profitez, on est sur Cyberpunk et... bah, j'espère qu'on va découvrir le DLC parce que du coup le DLC attendez le DLC il est sorti depuis un mois, on n'a jamais encore joué dessus. DLC Cyberpunk, il y a même chez Chounet qui va sortir un test dessus et on n'a toujours pas commencé et vu une bride de ce que ça pouvait être. Sorti, alors il sort quand le DLC, enfin date, il est sorti il y a presque un mois et demi. Et nous, on a lancé le jeu il y a un mois et demi. Ah là 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 là. Bon, et ben c'est pas grave. On est parti du coup. Let's go sur le jeu. La dernière fois, du coup, on s'était arrêté dans notre nouvel appartement. Voilà où on était. Nouvel appartement avec. Voilà pourquoi on avait acheté l'appartement. Hein. Meilleur jeu du jeu. C'est un mini-jeu dans le jeu qui est vraiment juste incroyable. Ce qu'on peut faire. Alors, du coup, il y avait, je crois, Amnesia qui nous avait donné la technique de. On dort, comme ça quand on dort, on a un bonus d'XP, donc on gagne plus d'XP. Alors je sais toujours pas si c'est un bonus d'XP pour le niveau général ou si c'est aussi pour les compétences. Je propose qu'on fasse un petit tour du cadran, qu'on se réveille au matin, genre vers... Alors, c'est horrible ça.
Ok, comme ça. Voilà, très bien. Voilà, voilà. Ok. Ah, wake up, soldier. Wake up, samurai. C'est ça dans le trailer, je crois. Ok, et on a une heure de d'XP en plus. Et donc, il avait dit qu'il y avait un bonus aussi. Alors, je trouve que, par contre, ma sensibilité, elle est élevée de fou. Commande. Vibration manette. Intensité des gâchettes, c'est pas ça. Caméra première personne sans visibilité. Horizontale. Je vais baisser les deux. Je vais mettre à 15 et puis si c'est... On va voir. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. On va peut-être mettre à 20. Je vais peut-être mettre à 20. Hello Pléo, bonsoir à toi. Bienvenue. Le petit café. Et ça donne quoi comme bonus le café? Une petite sieste de 20 heures. Oh, c'est parfait. C'est ce qu'il nous faut. Et ça donne un boost. Un boost. Un autre boost. Je sais pas qu'est-ce que c'est ce petit boost en plus. Attendez, je vais remonter un peu la sensibilité. Parce que ouais, on s'était déjà fait la réflexion que ma sensi était trop élevée. Et du coup, c'était un calvaire pour être sur un sniper. Voilà, on fait l'entre-deux. Ah, c'est parfait. C'est ce qu'il me fallait. Une sieste de 20 heures là. Parfait. On est là pour le matin. Donc on va regarder aussi un peu nos quêtes. Et on a dit que peut-être aujourd'hui on allait faire la répartition de nos points d'attributs, nos compétences. Pas mal de choses comme ça. Parce qu'on l'a pas fait depuis un moment. Et que ça commence à on commence à le sentir passer quand on fait des combats. Donc voilà, on va avoir. En fait, j'aimerais bien me spécialiser en netrunner. Mais aussi en peut-être en ingénieur. À voir. Mais en tout cas, netrunner sûr. À voir en vrai. Bah attendez, la porte s'ouvrira sur un homme nouveau. Ah oui, en constitution aussi, ça pourrait être pas mal. 2 points de santé max par point d'attribut. Et là, on avait dit... Alors, voilà, on va essayer de mettre ici au niveau 15, c'est ça. C'est ça, niveau 15. Merde. Ah, j'ai gaspillé un point. C'est pas grave. On va mettre niveau 15 aussi la constitution. Alors on avait dit constitution, c'est ça? Je sais plus si constitution c'est intéressant ou pas. Ah non, ou alors c'était sang froid je crois qu'il nous fallait. Je sais plus lequel était vraiment intéressant. Non, c'était pas sang froid. Camouflage optique. Ouais non, c'était peut-être capacité technique alors. Ouais, c'était ça, c'était capacité technique. Et donc, c'était ça qu'il nous fallait. Déverrouille un nouvel emplacement de matériel cybernétique pour le squelette. C'est ça, c'était ça qu'il nous fallait avec bah, du coup tout le reste. Ouais, en capacité technique. En réflexe, est-ce qu'il y a des choses qui intéressent 25 d'endurance lorsque vous effectuez une charge aérienne ou un double saut. Ok. Bon, bah, en vrai, on va prendre peut-être capacité technique et on va prendre ces deux-là. Et ça. C'est pas trop mal en vrai. Je pense qu'on n'est pas dégueu. Et du coup après on a full amélioration sur tout le reste. Hein. On a full amélioration sur tout le reste. Et du coup on peut faire ça. Ah ouais. C'est dans la ligne. Niveau 1 plus de PV. Régénération de santé bonus. Ok. Ok ok. Alors je vais déjà prendre sur capacité technique. On va prendre... Voilà. Et après, je sais pas si on se remet le Saint-Dévistan de la série. Ça pourrait être pas mal, ça. C'est plus qu'un de tous les effets cybernétiques. Ça, c'est pas mal. Déverrouiller un nouvel emplacement de matériel cybernétique pour les mains. Waouh, ça veut dire qu'on pourrait se mettre une monocable et aussi les lames mantis. Temps de recharge réduit de 15% pour tous les matériels cybernétiques si tous les emplacements de matériel sont occupés. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ça c'est quoi 20% de la vitesse de charge des armes techniques avec des tirs chargés. Ok ok, ça c'est le doc. Ok, 8% de la vitesse de récupération des objets de santé et des grenades. Ça peut être pas mal en vrai. 150% de récupération des objets de santé hors combat. Ok,
Ça c'est quoi 8% la vitesse de récupération de santé des grenades. Plus 10 de rayon d'explosion pour les grenades. Plus 5 à la vitesse de déplacement. De toute façon on est obligé de mettre 3 si on veut ici. Parce que ça c'était pas mal. Plus 1 de charge max. 200% de vitesse de récupération supplémentaire hors combat. 20% de vitesse de récupération lorsque... Ça m'a l'air pas mal ça en fait. C'est pour ça que ça m'intéresse. 50% de résistance aux dégâts et aux effets d'explosion. Causés par vous. Ah oui, d'accord. Charge de grenade doublée. Vitesse de charge doublée. Charge de grenade. Ça veut dire qu'on peut avoir 4 grenades. C'est très fort ça. Lorsque vous cumulez 5 charges de pyromanie. Ouais, non. Ah, attends, quoique. Ça peut être pas con en fait. Et on va prendre ça aussi. Voilà, comme ça, c'est tout ce qu'il nous fallait pour les capacités techniques, je pense. Et ensuite, en intelligence, c'est ça que je voulais prendre un peu. Voilà, lorsque le overlooking, c'est ça le overlooking, ouais, c'est ça qu'on l'avait vu la dernière fois. Lorsque le mode est activé, tous les effets de récupération de mémoire vive régénèrent aussi la santé. Ok. Activer le mode overlooking restaure instantanément un montant de santé égal à 5 fois votre maximum. Lorsque le mode est activé, augmentation des dégâts de piratage rapide. Ok. Bon, en vrai, on va essayer de booster tout ça. File d'attente. Ça, on avait dit que ça pouvait être pas mal, la file d'attente. Accélération de la file d'attente. Plus 1 au maximum d'unités de mémoire vive. Bon, 1 au coup de tous les piratages contre les appareils et les véhicules. Ouais, et c'est quoi le truc au centre là? Lorsque le mode est activé, 40% de santé par piratage rapide dans la file d'attente d'un ennemi. Bof. Augmentation de la taille du réticule pour les âmes intelligentes. D'accord. Bah non, mais c'était vraiment que ça qui m'intéressait, c'était le overlooking. Et en vrai, le mode overlooking, c'est vraiment intéressant parce que si vous avez installé une super console, appuyez sur L1 R1 pour l'activer dans le mode. Dans ce mode, vous pouvez utiliser des piratages rapides même si vous n'avez pas assez de mémoire vive, mais il consomme à la place des PV. Et ça, je trouve ça vraiment fort en fait. Les attaques avec les monocabs restaurent de la mémoire vive. Ah, du coup, si on peut se mettre du monocable, moi ça m'intéresse ça. En vrai, ça m'intéresse pas mal si on peut se mettre du monocable. Donc, on va voir en vrai. Plus 100% de durée pour les piratages rapides de contrôle utilisés sur les ennemis dont la santé est au maximum. D'accord. D'accord, d'accord. Et ça, c'est quoi? Récupération du coup en mémoire vive à mesure que vous vous rapprochez de la cible. Je sais pas ça. Je sais pas ça. En tout cas, là, on n'est pas trop dégueu. On va vous laisser un de chaque, comme ça. Je me dis, et puis on rajoutera plus tard. En vrai, c'est pile ce que je recherchais, en fait, en termes de compétences. Donc là, on est assez équilibré, pile comme je le souhaitais. Et voilà, ça ouvre la porte sur un nouveau personnage. Et donc, on a un Xanax en plus, une grenade, et on a le mode, bah, du coup, le fameux mode que j'ai dit. Et on a combien d'argent? On a 230 000 $. Ok. Eh bien, je vous propose qu'on papillonne un peu. Regardez, alors, j'avais activé aussi le... un filtre sur tous les crimes. Il y a énormément d'agressions. Et vu comment ça rapporte un peu d'argent, et que j'aime ça, les crimes... enfin, les crimes, j'aime les arrêter, hein, bien sûr. voilà. Non, on va les faire et on va faire tout plein de secondaires pour ensuite repartir sur du principal et pour pas être trop envahi de secondaires. Voilà, je propose que ce soit qu'on fasse ça. Je sais pas si ça intéresse le monde. Ok. Alors, c'est où que je dois aller? Par là. Là en vrai c'est pas dégueu hein. On est pas dégueu. Je pense qu'on a de toute façon on a bientôt notre build de fin de jeu, même si on est même pas à la fin du jeu quoi. C'est ça qui est, je trouve des fois un peu dommage avec le jeu, c'est que très vite, en fait t'avances très vite au début du jeu et après tu stagnes beaucoup sur la fin en fait, t'as pas d'autres améliorations à avoir. Et ça j'avoue que c'est frustrant. De dire, bah voilà, c'est bon, t'as ton build de fin de jeu alors que t'es à un quart du jeu. Je sais pas si ça le fait à d'autres. Mais ouais, c'est un peu ce que je ressens.
Ah, il faut traverser. Oh, mais c'est nouveau ça, on pouvait pas nager avant, si? On pouvait nager qu'avec Misty. Enfin, Judy, pardon. Oh, c'est stylé. Ok. Bon, en tout cas, c'était pas la porte à côté, mais on va tenter des choses. Alors, je pensais que les nombres de grenades, j'en avais en double. C'est juste que ça m'a augmenté un Xanax, mais pas les grenades. Ouais, non, ça m'a juste augmenté un Xanax. Hein. J'ai un Xanax en plus, mais pas les grenades, c'est bizarre. Bon, par contre, comment je grimpe, moi? Mais ouais, du coup... Ça fait que, vu qu'avec tout ce qu'on a installé, le Saint-Devistan est complètement inutile. Le Saint-Devistan est vraiment très sympa. Le fait de ralentir le temps est trop cool. Mais le plus gros problème, c'est qu'on peut pas mettre de piratage dessus, en fait. Et ça, j'avoue que c'est dérangeant. Alors, par contre, ce qui est cool maintenant, c'est qu'on peut courir avec le snipe. Avant, on pouvait pas. Ok. Est-ce que par contre j'ai un TP là, plus près? Toujours pas, hein. Oh, ça va être horrible de revenir. Ça va être vraiment horrible. Ok. Alors comment on active ça? Oh. Ok. Ah oui, on peut... Ah, trop bien, on peut mettre des files d'attente et tout. C'est génial. Et là, du coup, ça me baise ma vie, en fait. Oh, waouh! V for Fandetta. Oh, c'est incroyable. Après avoir utilisé cœur auxiliaire, tuer ou neutraliser l'ennemi que vous avez tué... qui vous a tué en moins de 5 secondes. Quoi? Ah bon? Oh merde, j'ai raté la tête. Pas bien, oh, ok. Vous me dites hein, si la musique est trop forte. En tout cas, moi je l'entends bien dans mes oreilles. Ok. Il était là il y a deux secondes. Ah, il est mort. Ah, mais il est là. Purée, je la voyais pas, il me tirait dessus. Ok. Putain, c'est pas vrai, je suis nul. Ça a rien changé. Voilà. Ok. Bon, je vais peut-être baisser la musique en vrai. Hein. N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. Qu'est-ce que ça allait dans mes oreilles? Un peu d'argent là. Ok. Donc là on a fini la mission, c'est ça? Tout ce qu'il fallait faire? La jeunesse éternelle à lire attentivement. Bah c'est ce qu'on a fait du coup. On prend la voiture, ce sera plus rapide. La musique ça va? Ok. Parce que moi ouais ça m'explose les oreilles. Bon heureusement que j'ai... Parce que j'ai eu une mise à jour de mon PC là tout à l'heure. C'était ignoble. J'ai dû tout régler pendant une demi-heure. Elle est trop bien cette musique. Ok. Alors. Ah, il y avait une autre agression là. Atteindre le faux goubron immergé. Oh mince. Oh.
T'avais bien en plus Cyberpunk. J'aime trop en vrai Night City. J'aime vraiment beaucoup Night City, c'est une ville hyper immersive, je trouve. Oh, oh, oh. Il s'est passé quoi? Alors. Ah, il faut qu'on aille sous l'eau. Ah, c'est nouveau ça, non? Il y avait pas une quête comme ça. Ah ah! Alors, à moins que je m'en souvienne pas, mais. En tout cas, ils ont fait une nouvelle mise à jour, le jeu. Amnesia nous l'avait dit qu'ils ont refait une mise à jour. Et pour l'instant, je sais pas si ça a un changement, mais. En tout cas, je suis content qu'ils aient refait une mise à jour. Parce que la dernière fois qu'on a joué, ça m'a vraiment un peu énervé d'avoir le jeu bien buggé. Après, c'est classique, hein, les voitures, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va retourner en ville là pour faire tout ça. Oh! 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 Bon, allez. Allez, roulons un peu. Là, en plus, c'est des champs de pétrole, là. C'est vraiment des champs de pétrole, hein, le truc. C'est qu'il n'y a aucun champ pour faire de l'agriculture, tout ça. Il y a juste des champs de pétrole. Cette ville, c'est la pollution en personnifiée. Alors, j'aime pas la radio. Attends, c'est Barbie Girl, mais en version... Attends. Ah, il met pas la musique. Ok. Là, on est bien. Moi, je me rappelle pas qu'il y avait autant de crimes dans le jeu. Peut-être qu'après je les avais pas fait lors de ma première partie. Oh attends, il y a un raccourci là. Sûr ça passe. Puis sûr ça passe. Puis sûr ça passe. Aïe. Puis sûr ça passe. Ça passe, je suis sûr ça passe. Je suis sûr ça passe. Et appel à tous les sous-traitants. Ok. Ah, on a plein de quêtes encore à lire. Quoi? Oh là là, elle a essayé de nous hacker là. C'est qui ça? Oh, y a un ils ont un robot. Comment ça, ils ont un robot? Comment ça? Non, vous avez rien montré du tout, non? Salut! Oh merde! Qu'est-ce qui m'a tapé derrière? Ah, il y avait un truc derrière moi, j'avais pas vu. Eh ben, on est toujours aussi dans le mal à chaque fois, hein. On se prend toujours autant de petites tapes dans le dos. Bon, par contre, j'espère qu'ils vont pas me remettre à mi-queue.
On va rien dire. Non, j'allais dire un compliment tout à l'heure sur les voitures. J'ai bien fait de rien dire. Parce que vraiment, les voitures, ça a rien changé. Alors qu'il y a des mods qui rendent ça top. Et je me demande pourquoi ils ont pas, genre, demandé à la personne qui a fait le mod de dire, bah, ton boulot, il est incroyable. Viens, on ajoute ça au jeu. Que sur les consoles, le fait de ne pas pouvoir mettre de mode. Ah, il y a un TP, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y en a un là sur la route. Mais ouais, c'est ignoble de ne pas pouvoir avoir de bonne conduite sur ce jeu. Alors que tu te déplaces en voiture, quoi. Ça, c'est triste. Notre musique, s'il vous plaît. Ah! Ok, c'est juste en dessous. Ouais. Allons-y. C'est juste là. Oh, lui, on va le... Ah, parce que ça va me tuer si je le fais. Pourquoi? Ah, what? Je peux pas refaire mon traçage? Ok. Ah, vas-y, vas-y! Voilà. Ok. Ça, ça me plaît, ça, ça me plaît. Oh, une arme en or, carrément. Fais chier, antenne. Ok. Ah, on a un niveau en plus. Ça fait quoi le niveau en plus de Netrunner? 15% de la durée des piratages rapides de contrôle et de furtivité, plus 5 dégâts avec les piratages rapides de combat. Oh 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 oh! Ça me plaît, ça. Trouvez l'antenne. Trouvez l'antenne. Je crois que l'antenne est là-haut. Je suis sûr qu'il y aura quelqu'un tout en haut en plus. Alors attendez, il y a juste un truc que je dois faire, c'est fabriquer mes balles. Là, on n'en a plus beaucoup des balles, hein. Et ça, c'est vraiment cool de devoir de nouveau fabriquer ces balles. Je sais pas s'il y avait ça dans l'ancien jeu. Hein. Parce que je me rappelle que je chialais quand j'avais plus de balles. Enfin, je chialais. J'espérais juste en trouver plus tard, quoi. Mais je ne me souviens pas pouvoir craft mes balles, en vrai. Ah! Non, 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 mais t'es mort, mec. Y'a pas le temps, y'a pas le temps. Y'a pas le temps pour ça. Y'a pas le temps, y'a pas le temps. Ok. Oh, y'a ma voiture, là. C'est ma parfaite. Elle est parfaite, là, la ma voiture. C'est pas vraiment ma voiture, mais... Elle m'attendait, quoi. Parfait. Allons-y, cherchez la suite. Ok. Mais non, mais vous vous mettez sur la route aussi. Comment je suis censé faire? Ouais, bah il y avait des gens sur la route, c'est ça le problème. On y va tout de suite. Ok, alors on va brûler ça, ça,
ça et enfin ça. Et boum! Il est où? Voilà. Ça, ça me plaît. Ça me plaît. Bonjour. Mission accomplie. Ok. La suite, c'est par là. J'ai vu qu'ils avaient une moto. Elle est où? Là. Enfourcher la moto. Je répète, code 0 dans le secteur. Toutes les unités. Désolé hein, pour la tête. Très bien, merci beaucoup pour l'info. Ok, bonjour tout le monde. Je suis là. Et je pense plus contagion. Pareil pour eux, contagion. Avec surchauffe. Et pareil ici. Du coup surchauffe. Avec... Voilà ça. Ah du coup lui au fond. Moi ça me plaît ça. Quand ça se passe sans douleur, pour moi en tout cas. Bien. Oh. En sas. Allez attraper. Oh, ils sont pas cool, hein. Ils veulent pas jouer la balle avec moi. Bon, après, je crois que... Elle pourra plus non plus jouer au foot, quoi. Oh, des traces. Des traces de quoi? Attends, c'est des enquêtes? C'est incroyable. Des traces. Ah donc c'était bien par là. Ok. Oh. Il va mourir non? Ouais, pourquoi pas? Bah meurs toi déjà. Le pauvre, il transportait trop de choses. Qu'est-ce qui est lourd comme ça? Quoi? Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi je suis lourd? Quoi le but? Là, on va l'enlever, hein. Ça prend du poids pour rien. Ça coûte pas cher. On va démonter. Voilà. Et on va aller à une caisse, je pense. Ça peut être pas mal d'aller à une caisse pour revendre un peu du... Du stuff pour se faire un peu d'argent. Je sais pas où c'est qu'il y a des caisses, par loin. Ah, il y a autre chose ici, mais il nous faut une caisse, vraiment. Est-ce qu'il y a des caisses de vente? Point de dépôt. Alors attends, c'est ça que je voulais cocher. Point de dépôt, voilà. Ah bah, il y en a une là. Ah là, parfait. Pas de voiture là de dispo. Il y avait ma moto là-bas. Ah, ma voiture. Attends, on perd de l'argent à chaque fois qu'on prend la voiture. Ok.
Ok. Alors, qu'avons-nous à vendre? Vie d'assaut. Il y a une petite mitraillette là. Ok, bon, bon, on va vendre tout le reste. Hein. Voilà. Un peu d'argent qui fait du bien. Voilà. Et après, il y a tout le reste. Il y a ce haut là qui sert à rien. Réduction du temps de chargement. Ouais, mais on a 20 d'armure en plus. Ça, ça fait rien. Rien. Lui, il était ok. Pareil. Il n'y a vraiment pas de tenue qui apporte plus de choses que ça. Ok. Ok, ok. Bah là, on est bien en termes de poids. On s'est fait 136 000 $. Bri. Ok. Ça, ça fait plaisir. Ok. Bon. C'est fou par contre, ouais, comment y a que de ça. Y a que des crimes dans ce jeu. Mais on va faire un peu de crime à chaque fois, je pense. On va faire de tout. Et il faut, hein. Il faut parce que c'est un des meilleurs moyens de se faire de l'argent, les agressions. Oh bien ça, je le dérapage. Bien contrôlé. Mais attendez, vous êtes sur ma route. À toutes les unités dans le secteur, on signale de nouvelles activités suspectes. Oh. Bah qu'est-ce que je fais? Vous êtes sur ma route, messieurs dames. À toutes les unités, le suspect a échappé aux patrouilles. Reprenez immédiatement les recherches. Qui me tire dessus là? C'est un drone, c'est sûr. Maudit drone. Ok. La musique, let's go. Ok. Parfait. Alors, je suis sûr qu'ils sont en hauteur. Là, genre. Juste là. Ok, on va se faire une petite contagion générale. C'est bien, on n'a même pas besoin de rentrer. On n'a même pas besoin de rentrer, c'est trop facile. Mais vas-y! Voilà. Bon, je comprends pourquoi je fais Nightrunner du coup. Parce que je suis mauvais. Ok, il y a plein de choses à terre, ça me va très très bien. Ok. Ah, il y a des choses par terre, hein, quand même. Il y a pas mal de choses par terre. Par contre, c'est horrible, je peux plus m'asseoir sur mon fauteuil, là. Sur la chaise. La chaise est cassée. Hello, comment tu vas, Anonyme? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Oh, belle voiture. Oh, la chaise. Du coup, j'ai trop mal au dos. Je vais essayer de me trouver des positions en attendant de changer de chaise, mais j'avoue que rester bien le dos droit comme ça, à force, ça me fait mal à la nuque. Bah nickel, écoute, ça va super bien. Alors attends, c'était par où que je vais aller? Je sais pas. Bah ça va super, en tout cas moi ça va comme sur des roulettes. On est en train de se faire un peu de secondaire sur Cyberpunk.
avant de se mettre à faire du principal. Bon, je pense qu'on va pas faire, on va pas en faire trop non plus là. Je pense qu'on fait les dernières et après on avance dans le principal. Je sais pas si ça vous tente, mais moi en tout cas, j'ai envie d'avancer sur le principal. Ça fait beaucoup de fois qu'on fait du secondaire. Ah, bonjour. Oh, il y avait du stuff là. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Comment se passent tes vacances anonymes? Oh, what, y a personne? Oh, y a personne. Étrange. Étrange, étrange. Il y a ça qui est apparu du coup. Oh non! Oh non, j'étais trop bien. En mode Assassin's Creed et tout. Yeah. Raté. Je me suis réveillé, j'ai regardé la rediff de votre live et j'ai vu Mario. Mario World, Sanglier Rogue a dit que le best-of était cool sur la rediff. Et j'ai fini par regarder ton best-of Mario World et j'avoue qu'il est trop bien. De fou! Bah merci beaucoup, merci beaucoup. La journée commençait bien. Ah bah ça fait plaisir alors. Ça fait bien plaisir d'entendre ça. En tout cas. Est-ce que t'as vu peut-être qu'après après c'est un jeu d'horreur. Je sais pas si t'es fan, mais il y a aussi le best-of Super Mario. Enfin, le best-of des backrooms. Alors, elle, on peut lui faire ça. Et là, on va tout faire péter. Vous allez voir. On va tout faire péter. Bam! Tout a pété. Raté. Ok. Où est la dernière personne? Où es-tu? Bah, what? Elle était là. Voilà! Alors, là. T'as fait backroom? Ouais. Ouais, ouais. Bah, on l'avait fait avec Corroy il y a très longtemps. Normalement, dans 2 semaines, donc pas samedi qui arrive, mais samedi prochain. Samedi prochain, on fait les backroom normalement. On fait les backroom, la suite des backroom. Et donc, j'ai sorti les best-of pour que les personnes puissent un peu comprendre ce qui s'y passe. Donc voilà. Voilà, voilà. Et bah, en vrai, il y a le best-of qui est sorti hier, je crois. Et donc, si jamais, quand tu voudras, il est dispo, quoi. Ah, il y a une petite quête secondaire, là. Mais je suis pas là dans 2 semaines. Ah, bah pareil, j'en ferai un best-of. Dans tous les cas, les backrooms avec Corroy, j'en fais toujours des best-of. Donc, en vrai, là, il y a la première partie qui est sortie bah, pour Halloween. Vendredi prochain, il y a la deuxième partie des best-of. Donc le deuxième best-of. Il y aura là, du coup, samedi, il y a un DLC. Enfin, il y a de nouveaux niveaux qui sont sortis. L'équivalent d'un DLC, mais gratuit. Et en fait, bah, on va live dessus et je ferai un best-of que je mettrai plus tard. Ok, bon, retourne en ville un peu. Ok. Let's go. Mais de toute façon, j'aurai chaque rediff. C'est trop gentil ça. Merci beaucoup, Anonyme. Merci beaucoup. Ouais, de toute façon, je suis content qu'il y ait du monde qui regarde en vrai les rediffs. Des fois, je me casse la tête juste pour faire des fois juste la. Ouais, mais je voulais pas faire ça. Mais cours! Oh damn, c'était pas prévu. Désolé. Oh pardon monsieur. Y'a pas plus d'addict que moi. Bon, l'addiction, faut faire attention.
J'espère que t'as fait tes devoirs quand même. Hein. Ok. On n'est pas trop mal. Donc là, on devait aller là. Ok. Ok. Hein? Moi, si j'ai fait mes devoirs, j'espère que tu les as fait. Pamaro, je vais te dénoncer à la police. Non! En plus, regarde, la police est juste là. Bonjour, police. Anonyme, elle a quelque chose. Ah! Anonyme, elle a un truc à vous dire. Oh, on sait faire notre boulot. T'en fais pas. D'accord. T'as vu, ils t'ont répondu. Oh, Anonyme. T'as quoi à faire? T'as quoi à faire pour la rentrée? Contrat, tenir un tiger par la queue. D'accord. Aller jusqu'au serveur principal. D'accord. Aller au serveur principal, du coup. Serveur. Attends, c'est quoi qui fait du sang là comme ça? Ah, mais c'est la pub! La pure overkill! Une pub pour un pistolet? Ah bon? Pamaro le repérer. Ok. Wesh. Ok. Il y a un gars au-dessus. Je suis sûr qu'on devait faire ça discrètement. Une nouvelle à rattraper, 2 pages de maths et 3 pages de français plus Irlande et un livre. Un peu de devoir. Le livre. Il faut le lire, le livre. C'est très important de lire des livres. Mais en tout cas, j'espère que t'arriveras à faire tes devoirs. Madame, on fait dodo? Oh. Bah là, on ne sait pas si elle fait dodo. Moi, je vais t'en faire un troisième, de truc cul. Regarde, t'as fait tomber ça? Ah. Le livre, je ne lirai pas. Ah bon? Pourquoi ça? Ah, il faut lire les livres. Hop. Ah, c'est horrible. La chaise est horrible. Elle me fait trop mal au dos. La femme, tu l'as... Ah, mais tu l'as déjà lu. Si tu connais, c'est bon. En vrai, ça va. Ça va, si tu connais. Si tu connais, c'est pas grave. Tout bon. Regarde la salle des serveurs. Toutefois, le plus apprécié. Je vais pas le redire. Bah oui, non, bien sûr. Ça explique tout. Hey. Ok. Là, on a un crime juste là. En vrai, ce que je pense faire, c'est que les crimes, on va les faire en fonction de ceux qui sont pas loin de nous à chaque fois. Bad est content, donc je suis content. Bah, parfait. C'est ça qu'elle va dire, hein. Bad est content, donc je suis contente. Donc tu vas être payé et tout le monde sera content. Je mets fin au contrat B. Oh, allez, aussi. Allez, super, j'ai de l'air dans la tête. Super. Reginaldos, les galères s'enchaînent. T'es contente que tu restes active, de nouveaux contrats sont dispo, je t'envoie les infos. Quoi? Mais arrêtez avec les quêtes secondaires. Ah,
Non mais allez, approche. Arrêtez. Mais les Val, je vais devoir faire une poésie. Oh, sympa ça. Ah, j'aimais bien faire des poésies avant. Je vais me marrer. Ah bah ouais. C'est sympa. C'est sympa les poésies. Y a des conditions sur la poésie? Faut que tu fasses quelque chose de précis pour la poésie? Non, attendez, c'est vraiment horrible. Regardez, regardez. Genre, si je veux me poser mon dos, je suis comme ça. On est pas mal là. Ça, je suis bien là. Là, je bouge plus. Ah ouais, ouais, ouais. Vous dire en fait, pour ceux qui arrivent, ma chaise est complètement cassée. Et en gros, faut que j'attende de pouvoir m'en racheter une. Et ce qui fait que bah du coup, bah voilà comment je peux poser mon dos. Mais bon, c'est pas très cool quoi. Du coup, je vois à peine l'écran et puis même pour vous, vous avez l'impression d'être avec quelqu'un qui dort quoi. Ok. Attention, ça va faire boum. Je les avais prévenus. Hein. Je les avais prévenus que ça allait faire boum. Ok. C'est la merde. Ah, raté. Il reste qui là? Là-haut? Raté. Tire! Oh, raté, parce que je suis trop vite. Tu crois que c'est drôle? Oh, lui il a un snipe, c'est faire gaffe avec lui. Ok. Et lui là-haut? Ça va toi? Ah ouais, ouais. Allez, la petite contingent là, cyberpsychose. Avec explosion. Plus. Ah non, ils sont tous morts. Ok. Let's go. Prévisible. Ah, le prévisible était bien placé. Joli, joli. Joli, joli. Joli. Ok, de toute façon le prévisible, il se place tout le temps très bien. Non. Oh non. J'aurais tellement aimé monter comme ça. Rentrer comme ça, de grimper un peu à là, je suis sûr. Tu montes là et c'est bon. Oh, des médicaments! Il y a les médicaments! Ok, là on saute. Là il y a une caméra. Est-ce que du coup maintenant je peux arrêter les caméras par la force de ma pensée? Oh! Hello, démon Grim! Merci pour le polo, bienvenue à toi. Ouh. Oh, les caméras, je les retourne. Hello, bienvenue. Alors, je peux grimper là en vrai. Ouais non, je suis obligé de prendre l'échelle comme tout le monde. Il y a les médicaments. J'ai pris les médicaments. Alors attends, est-ce que je peux pas passer plutôt par là? Ouais, voilà. Bien mieux comme ça. Que faire le grand tour. Surtout que c'est juste là en bas quoi. Regardez ça. J'ai une jambe en moins, mais ça passe. Ça passe en vrai. Tube en acier. Ok.
Ok. Donc ça c'est fait. Parfait. Ah du coup vous vous connaissez, ah, c'est pour ça que tu es là, bienvenue en tout cas. On est sur Cyberpunk du coup. On avance un peu sur du secondaire, mais dès qu'on va avancer un peu plus, on va faire du principal. Donc si jamais tu connais pas Cyberpunk... si jamais tu connais pas Cyberpunk, en gros c'est un monde qui se passe en 2077. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en gros, c'est très avancé technologiquement. Et on peut en fait complètement se changer notre corps pour devenir un android presque. Il y a très peu de choses qui nous différencient l'un de l'autre. Mais voilà, en gros, notre but là, c'est qu'en fait, on s'est inséré une puce dans le cerveau qui, en fait, est en train de nous effacer en fait notre mémoire. En fait, comme si tu étais en train de mettre dans... Tu étais en train de supprimer les fichiers d'un PC, quoi. Et c'est la même chose qui nous arrive. Bref, voilà. Bah, Maro, si t'as des pensées suicidaires, pour en parler, c'est pas bien de sauter aussi haut. C'est vrai. Je suis l'Android 4889 de fou. Bienvenue à l'Android 4889, qui est là pour nous épauler. Et qui allait nous dénoncer à la police tout à l'heure, quand même, hein. Mais arrêtez d'avoir peur, j'ai juste un fusil à pompe, c'est pas grave. Regardez, lui, c'est pire, c'est un crime de porter ce genre d'habit. Je parle pas de la chemise, mais de la culotte. Bon, après, chacun son goût, chacun ses goûts, hein, mais... En vrai, la chemise est sympa, mais la culotte, perso, je me mettrais pas en culotte, hein. Dans les villes, comme ça. Oui. Ouais, d'accord. Et en gros, voilà, en gros, on est un espèce de délinquant dans une ville où, en fait, il n'y a plus rien qui surprend tout le monde. Donc, c'est une ville aux États-Unis fictive, un peu comme Gotham City, qui s'appelle Night City. Et en fait, tout est possible. Voilà, donc, il y a plein de gangs. Notre but est de devenir un peu célèbre dans cette ville. Et donc, c'est pour ça qu'on a un niveau de réputation ici en haut, notre niveau. Et la réputation est au maximum. Donc, un peu toute la ville nous connaît. Et voilà, donc le but c'est ça, dans le jeu. Ah, et eux ils nous aiment bien, regardez, attrapez ça! Qui c'est qu'on veut? Attrapez! Ok, on va faire ça, plus contagion. Il y a quelqu'un qui est en train de me pirater là. Oh oh. Wow. Mais ça tire quoi? Wouah, il m'a fait trop peur. Wouah. My god. Dispise des choses. Prenez ça. Échec. Non, je vais la tuer, c'est une civile. Ok, on est en train de mourir, mais c'est pas grave. Ok, bien. J'ai juste une arme à pompe qui peut tous vous tuer, mais ça passe, arrêtez d'avoir peur. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi vous avez peur, quoi? Franchement, c'est juste un pompe, regardez. Tiens, tu veux pas faire un bisou à mon pompe? Enfin, raté. Voilà. Fais un bisou à mon pompe. Fais un bisou, j'ai dit. Wow, il y a un couteau. Et je crains les couteaux. Non. Ok, lui, il va surchauffer. Lui. Merde, lui, il va surchauffer aussi. Et ça va faire boum. Vite. Ok. Ouh, mais c'est bête d'avoir sorti la tête comme ça. Regarde, tu vas faire boum. Voilà. Ah, ma pompe, j'ai vraiment dit ça. Elle a ma pompe. C'est une arme à pompe. C'est un peu pour ceux qui découvrent. Regardez, j'ai une arme à pompe. Ça fait un peu pas chevaleresque, mais genre limite steampunk. Ceux qui découvriraient les armes comme ça, quoi. Regardez, j'ai une arme à pompe. Le pompe s'appelle Bobby de chez Carglass. Ok, bon, on l'appellera Bobby. En plus, il y a des armes des fois. Je crois que dans le jeu, il y a des armes qui ont une conscience. Je trouve ça stylé, en vrai. Je trouve ça très stylé. Très, très stylé. Alors, agression juste à côté. Et après, je vous propose
on aura bien avancé sur pas mal de choses. Donc je propose après d'avancer un peu dans des histoires. Dans des histoires sombres. Alors qu'est-ce qu'on a là? Grenade de reconnaissance. Wow. Émet un son qui attire tous les ennemis. Sympa ça. C'est pas dégueu. Où est-ce qu'on peut passer? Là. Ok. Ah mais LED. Alors là il y a des lunettes de sport. Ok. Contagion ici. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Désolé madame. C'est fort là. Il est mort. Et la pote, elle est morte aussi? J'ai pas vu. J'ai pas vu le pote s'il est mort. Ça c'est sexy hein. Ah oui, il est mort aussi là. Ok, bah merci pour le stuff. Ça va vite à faire hein. Ça va très vite à faire. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Ouais, on leur a fait tâter Bobby. On leur a fait tâter Bobby. Bobby a fait tâter. Il y a tellement de quêtes. C'est un truc infâme. Parler à Misty. Ah, on peut aller parler à Misty. Peut-être que ces étranges images que tu vois... Ah mais non, mais on lui a déjà parlé. Parce que du coup... La carte, on a déjà regardé toutes les cartes de tarot. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant, des cartes de tarot. Oh, il n'y a pas d'autres cartes de tarot. Ouais, mais le secondaire qu'il y a, c'est... Alors, rejoindre Elisabeth. On va rejoindre Elisabeth, alors. Allons rejoindre Elisabeth. Et on va se TP avec le TP qui est juste en dessous. Je suis une folle dans ma tête. En vrai, on est tous un peu fous. Faut juste pas le montrer aux gens, parce qu'après, ils nous mettent dans des hôpitaux. Horrible. J'ai dit l'arme de pompe si je veux. En vrai, ouais. Je vais live si tu veux venir. Oh, et bah bon live, démon. Bon live à toi, j'essaierai de passer à l'occasion. Merci en tout cas du follow, et puis bon live à toi. Bon courage. Tu vas live sur quoi d'ailleurs? Oui. Allez rejoindre Elisabeth Perales. Perales. Mama. Je trouve que les stands de nouilles, ils sont incroyables. Regardez ça. Genre, c'est ignoble quand tu regardes comme ça, mais... Ça, ça fait toute la qualité du truc. Hein. Roblox? Ah, bien. En vrai, j'aimerais bien me mettre à Roblox. Il y a des maps sympas. Hein. Il y a des maps sympas. Ok. Bonjour Elisabeth. Vous êtes V? Je suis V. Montez dans le véhicule, je vous prie. Il y a déjà Elisabeth dedans. Okay. Bonjour V. Je suis Jefferson Perles. Bonjour. Vous avez déjà parlé à ma femme, Elisabeth. Ah oui. Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer, monsieur Perales. Madame Perales. Sacré Lise. Ma femme a un don pour juger les gens. Elle m'avait dit que vous conviendriez. Je vois pourquoi. D'accord. En vrai, Roblox, à ce qui paraît, c'est sympa. Il y a des très bonnes maps, en vrai, pendant que je regarde. Et puis c'est sympa. J'ai déjà fini FNAF, donc je change un peu. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. En vrai, les FNAF sont très très cool. Surtout, là justement... Alors, pourquoi j'étais sur du FNAF, là, récemment? Pourquoi je regardais du FNAF? Ah oui, avec le film qui sort là. J'ai trop hâte d'ailleurs. Elisabeth, elle est pas morte? Peut-être que c'est une autre Elisabeth hein. Alors, vous avez quoi à me proposer? Carter, en route. Elisabeth,
Eh bien, vous le savez sûrement, le maire Lucius Rhine est décédé récemment. Nous voulons savoir comment, pourquoi et tout ce qui peut être utile. D'accord. L'affaire est classée. Que je sache, l'affaire a été classée. C'est exact. La police a conclu à une mort naturelle, bien sûr. Rhine est décédé chez lui suite à une défaillance de son implant cardiaque. Mais cela n'explique pas l'attaque du cyberpsycho à la mairie quelques jours plus tôt. D'après la police, les deux incidents ne sont pas liés. Pourquoi vous croyez que les flics se plantent ? Pourquoi vous croyez que les flics se sont plantés ? Vous avez des preuves ? Peu avant sa mort, Rhine a fait des coupes dans le budget du NCPD. Il s'est peut-être mis des gens à dos. Quoi qu'il en soit, nous avons une déesse de l'attaque du cyberpsycho. Ah ! Notre chef de la sécurité l'a analysé, mais il n'a rien remarqué d'anormal. Ah, attendez, il y a Oreo qui enfermé depuis ce matin, parce qu'elle a fait une des bêtises. La déesse doit être remise à sa place aujourd'hui. Autrement, beaucoup de gens auront des ennuis. Si vous nous aidez, vous pouvez la regarder maintenant. Pélibre. Alors, prendre l'éclat. D'accord, faites-moi voir tout ça. D'accord, je vais voir ce que je peux elle faire. Elle a pinté sur le canapé, Oreo. Excellent. Tout ce que vous trouverez. Elle a fait pipi sur mon canapé. Sera le bienvenu. Le pire, c'est que je lui faisais plein de caresses. Du coup, on était sur le canapé, je lui fais des caresses et tout. Et je lui donne à manger, je lui dis, ah bah, elle est gentille aujourd'hui, c'est trop cool. Et là, elle commence à. Je me dis, bon bah, je vais retourner à mon montage, j'ai du boulot. Et là, je commence à. Je me demande plutôt ce que tu fous là. À me dire, je le sens pas, je vais la surveiller. C'est aussi mon cerveau, et là, je la vois en pleine action. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris sur le cou et je lui ai mis la tête dedans. Pas à mater les filles, c'est le maire que vous devez surveiller. Vous travaillez pour la mairie. Oh, essayez de vous comporter correctement. Ah ouais, d'accord. Ouais, on mate des filles. Ah ouais, on est un flic qui mate. Super. Moi, mon chat, il fait ça, je le balance par la fenêtre. Ah ouais, bah t'as de la chance qu'il soit bien éduqué, du coup, ton chat. Parce que ouais, le lapin... Regardez le lapin, là. Regardez ça, là. Regardez. Qui fait des bêtises là. On te voit, oui. Bah oui. Fais pas genre. Oh, wow. Arrêtez-vous. Ah mais oui, je me souviens de lui. Un flic. On le laisse entrer. Il peut attendre. C'est important. Je dois parler au chef de la sécurité du maire. Vous lui parlerez après la conférence. Il y a tellement d'indices ici. Ah bah le mec qu'on était est mort. Ah ouais, d'accord, à ce point là. Ah ouais, c'est la merde à ce point là. Où est-ce qu'on peut reprendre au début? Revenir au début. Ok. Et que je vous reprenne pas à ma téléfille, c'est le maire que vous devez surveiller. Travailler pour la mairie. Ah, ça c'était mieux. Vous comportez correctement. Ok. Prévisible. Ah bah là ouais. Ça c'est le maire, non? Adjoint du maire. Aucune idée pour moi. Ah c'est ah. Plus des de clown. Le mec a de fou. Ah il est prévisible de mourir. Alors attends, pause. On va se mettre en. C'est la deuxième conférence en 3 jours. Je ne comprends pas ce qu'il y a de si urgent. C'est pour ça que c'est moi le maire, et pas vous. C'est maintenant qu'il faut se mettre. Ah oui, c'est le maire. Vous allez complètement vous épuiser. Ah ouais, d'accord. Je me reposerai ce soir. Ma chambre au Red Queen's Ray, c'est-elle prête? Oui, bien sûr. Bien, laissez-moi. Je dois répéter. D'accord. Le Red Queen's Ray, ce nom te fait pas percuter les neurones? Si, ça me rappelle des gars en perruque blanche hurlant. Bon appétit, anonyme. Tu peux dire j'en sais rien au lieu de raconter des conneries. Ok. Ah, des portes. Regarde, avec des. Quelques secondes avant l'attaque. Bizarre, hein. On dirait que tout était planifié. Ou peut-être que le cyberpsycho en a juste profité. Tombe pas trop vite dans la parano. Ouais, peut-être. Attends, on va faire un peu d'avance rapide.
Beaver World, NCPD. Un flic? On le laisse entrer? C'est important. Je dois régler la sécurité. Vous parlerez après la conférence. Le flic voulait dire un truc à la sécurité. Ouais. Enfin, il était surtout là pour lécher le cul de Ryan. Ouais. Alors, attends. Oh là 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 là. Reviens en arrière. Il y a encore un truc qu'on doit analyser. Il y a un truc là qu'on analyse. Je suis mort à cause de la balle qui spawn en moi. Bon app. C'était pas un bug accidentel. La madrée a pas fini. Ah, et tu manges quoi du coup? Plus bizarre. Et le beau padré me l'a apporté. S'envoyer une gonzesse, puis sa sœur dans la même nuit. Le beau padré me l'a apporté. Hot dog, cheddar et frites cheddar. Oh là là. C'est pas mal hein. Mais ça aurait pu. Ça mange bien Anonyme, c'est pas mal. On aurait pu chromer la moitié de la ville avec tout ce qu'il portait. C'est sûrement ce qui s'est passé. Ouah, il fait flipper. De la mort, ni vu ni connu. Mmh. Et après, un flic pourri a dû se payer une nouvelle caisse et un costard affreux. T'es sûr de ça ou tu racontes encore de la merde? Quand on a vu tout ce que j'ai vu, on n'a plus besoin d'être sûr. On sait, les gens sont pareils partout. Ah ouais, ça dénonce. Okay. Donc tu racontes de la merde. Tiens, tiens. Attends, pause. Il y a un truc sur lui là. Il était avec quelqu'un au téléphone? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à voir où est-ce que... Ah. Ah, je vois pas où c'est que je dois scanner. Ah là, derrière lui? Vous lui parlerez après la conférence. Ah mais il est complètement fou! Cet air, il ne dit rien. Quel air? Est-ce qu'il fredonne? What? Moi, j'appelle pas ça. Moi, c'est Albert, version Express. Ah bah là, il est pire que Albert. Hein. Bon, c'est... On dirait, ouais, vraiment un monstre. Waouh. Du coup, on a fini. Waouh. Donc, on avait un fou qui a tué un mec. Et c'était un fou qui chantait. Et c'est... on a l'impression que c'était planifié. Les riches. Bonjour les riches. Alors, qu'en dites-vous? Vous avez vu quelque chose de suspect? Ou bien nous sommes juste paranoïaques? Il est trop tôt pour le dire. Vous avez peut-être mis le doigt sur quelque chose. Est-ce que... Cette affaire vaut plus que la baie de Coronado en plein juillet. Et moi, mais c'est pas un couteau, c'est un katana. Ah ouais, d'accord. Le flic qui a sauvé, c'est qui? Le flic qui a sauvé Ryan. Vous avez des infos sur lui? L'inspecteur River Ward. Un type bien. On a travaillé sur quelques affaires ensemble. Je peux vous mettre en contact si vous voulez. Avec plaisir. Allez. Eh ben, Ward est arrivé au bon moment. Je vais switch entre le live de mon pote et ton live. Je vais juste animer un peu son live. Bien sûr. Bien sûr. Bah, tu lui passes le bonjour de ma part. C'est certain. Et puis merci beaucoup. Je sais coordonner. Et s'il vous faut autre chose, faites-le nous savoir. Avec plaisir. Et bah salut. Regardez. Ok. Eh bien, appelez l'inspecteur. On va faire ça. Hein. Oh, il est beau gosse. Hein. Avec son œil en moi. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle V. J'enquête sur la mort de Lucius Ryan. Je me demande pourquoi. T'es pas flic. Je travaille pour les Perales. Jefferson et Elisabeth Perales m'ont engagé. Le futur maire s'intéresse à la mort prématurée de son prédécesseur. Intéressant. Moi aussi, j'ai trouvé des choses intéressantes en creusant un peu. D'accord. Je suis en route vers le Chubby Buffaloes. Eh ben allez. Arrive tout de suite. Allons-y, mon ami. Allons-y.
Par contre, c'est horrible cette chaise. Wouah! Attends, c'est quoi là, la pub? Trop tard. Attends, y'a pas une voiture que je peux emprunter? Aïe 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 aïe, mamie là. La mamie qui voit pas que c'est un passage piéton ici en plein milieu de l'autoroute. Merci. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Waouh, 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 c'est bondé, c'est bondé. Quand ils disent que je suis un gamin, c'est pas vrai. Pas un gamin, moi. Je suis pas un gamin, moi. Oh, j'ai failli l'écraser, je voulais... c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais tenter. Alors attendez, je me redresse un peu. Oh merde. Pardon messieurs. Ouais voilà. Ouais ouais, enlève-toi, enlève-toi. Oh, c'est bondé de flics, ah bah oui. C'est bondé de flics parce que c'est... parce que c'est une gendarmerie en fait. Ok. Ouais, il y a tellement de flics au kilomètre carré là. Merde. Oh, mais c'est des robots. C'est des fucking robots. Ah, c'est là-haut, le Buffalo, où on doit aller. Alors, 1. Ah ouais, d'accord. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour. Ah, et... il y a quelqu'un qui veut te parler, on dirait. Inspecteur. Je me demande de quoi. Toi, River Ward ? En personne. V, c'est ça ? Mon équipier, l'inspecteur Han. Ah, d'accord. On reste là, alors. Ok. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. T'as vraiment l'intention de bosser avec un merc ? J'ai encore rien décidé. Pour l'instant, je vais juste voir s'il a du nouveau sur la mort d'Orain. Ouais. T'es encore sur ça ? Ouais, ouais, ouais. Le chef t'a déjà dit de laisser tomber. L'oblige pas à te le répéter. Tu sais qu'il a vraiment horreur de ça. Et si tu t'en fous de ce que dit le chef, t'écouteras peut-être le conseil d'un ami. Faut que t'oublies cette affaire. Tu me vois faire quelque chose, là? Je bois juste un café, tranquille, en écoutant des ragots. Ok, fais comme tu veux. Pas question que je participe à ça. Je dois aller chercher la petite, de toute façon. Et essayer de trouver un coin plus tranquille, au moins. Histoire qu'on vous entende pas. Ok, je t'écoute. Oula. L'inspecteur Han n'est pas fan des Edge Runners, on dirait. Le prends pas pour toi. L'inspecteur Han n'aime pas grand monde. Va voir sa fille. Ouais. Pas sûr qu'il la retrouve, sa fille. Est-ce que tu voulais me parler ? Parce qu'il n'y a pas d'école dans cette ville. Tu voulais parler à la sécurité de Rhine, leur transmettre une info. C'était quoi ? C'est quoi ? Han a raison. L'acoustique est un peu trop bonne ici. Je suis garé juste dehors. Ok, très bien. Allons-y. Allons-y, mon cher ami. Oula, oh, sors pas en courant, c'est suspicieux. Suspicieux de courir comme ça. Des gars du commissariat ont repéré Horvat du côté d'Arroyo. Ils tiraient sur des bennes à ordures en hurlant qu'ils devaient voir le maire. Mmh. Ils ont embarqué. Ils ont embarqué qui ? Peter Horvat, le cyberpsycho qui a attaqué le maire plus tard. Ils l'ont conduit au poste, mais il s'est perdu avant qu'on ait pu prendre sa déposition. D'accord, comment ça perdu ? Tu dis qu'il s'est perdu ? Comment c'est possible ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un voulait pas le voir en cellule ce jour-là. Et avant que tu le demandes, non, je sais pas qui. À mon tour,
Pourquoi Perales s'intéresse à ça maintenant? Et pourquoi il fait ça en douce, sans en parler à la police? Bah je crois que... Je sais pas, en vrai c'est soit la peur, soit il essaie de gagner, j'en sais rien. En vrai, aucune idée. À mon avis, Perales essaie de salir Holt. Il croit que Holt est impliqué? Je sais pas, mais même s'il l'est pas, l'assassinat d'un maire, ça la fout mal pour son adjoint. Ouais. Le Red Queen's Race, t'en as entendu parler? Tu sais ce que c'est? Peut-être bien, ça dépend. Est-ce qu'il y a un rapport avec Rhine? C'est là qu'il devait aller le jour où il est mort. D'accord. On va aller voir mon indique. Tout ce que je sais, c'est que c'est un club de luxe. Aucune idée d'où il est. Mon indique le saura peut-être. Ok. Après, on ira voir la femme pour qui bossait Horvat. Ou alors, on peut aller la voir d'abord. C'est comme tu veux. Allez. On n'a qu'à parler à ton indique. Le club a une meilleure piste. Ouais. Ok, ça me va. Ouais, ouais, ouais. Bien, 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 la sécurité au volant. Bien joué, en tout cas, mon petit monsieur. J'ai déjà oublié ton nom. C'est quoi ton nom déjà? Bonjour à vous. À River Ward. River. C'est l'heure de l'édition locale. Il s'appelle Rivière. Rivière. Mon indique bosse ici. Va lui parler. Moi, je... Ok, je vais lui parler. Pardon. Je skip sans faire exprès. Ok, okay. Attends ici si tu veux. Mais c'est vrai qu'il me connaît pas. En vrai, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu cherches? De l'inspiration ou bien quelque chose de précis? Dans les deux cas, je peux t'aider. Bah alors. Je cherche un club, le Red Queen's Race. Si j'étais toi, je chercherais un endroit plus accueillant. Commence déjà par le Lidzi's à Kabuki, ou le Cloud dans Japantown. Je veux une adresse. Écoute, dans ce club, on rentre que sur invitation. Si t'as pas l'adresse, c'est que t'es pas invité. Igor te salue. Non, putain! J'ai dit que j'arrêtais! C'est fini! Ah! Foutez-moi la paix, putain! C'est pas compliqué! Putain! Putain! Salut, Neil! Va chier! Du calme! Oh, let's go! Juste une question à te poser. Oui, j'aime bien ça, moi! Y'a rien à voir par ici! Attends! Allez! Dégage! Bah attends, c'est la police là! Vous pouvez c'est pas la police là! Faire quoi que ce soit. Ah! On n'hésitera pas! Si en fait, on peut et on n'hésitera pas. On n'hésitera pas à donner comme ça! Je sais où est le Red Queen's Race. Je sais pas! Alors fais un effort! Et pas dans 10 ans! T'aimes bien ce qui s'est passé? D'accord! Putain! On se calme, ok? Pas très bon l'informateur. C'est en dehors de la ville, près du fleuve. J'aime bien l'informateur. Du côté de Bonita Street. Qui est déjà allé. Ok. Je vous dirai pas un mot de plus, rien. Ouais, allez d'accord. Vous faire foutre, Non. Bon, bah voilà. On dirait bien qu'on avance. Lini, pugé! On devrait quand même passer au marché. Allez, on y va. L'employeuse d'Orvat, celle dont je te parlais. Vaut mieux pas laisser cette piste de côté. Ah d'accord. Eh bah allons-y, on y va. Ok, on va faire un tour à ce marché. Let's go. Cool. Allez. Ça marche, merci. Wow. Ils sont chelous les gens. Eh les gens sont chelous. Il y avait personne dans la voiture. What? Night City Bugs. Bug City. Bienvenue à Bug City. Le marché des fleurs. C'est discuté 90% du temps. Si on changeait de tactique cette fois, d'abord les questions et après les menaces. On doit parler à qui? Alors on est censé parler à qui au juste? La patronne du cyberpsycho, c'est ça? Christine Markov. Ouais, du coup la patronne. Okay. Unique employeuse d'Orvat, d'après le dossier.
Et aussi son seul contact, en fait. D'accord. Allez, V. D'accord. Hurreur, carnage. Alors, il est où le bro? Je sais pas à quoi elle ressemble. Va falloir se renseigner. Tu prends à gauche, et toi à droite. Ok, à droite. Hey, vous là! Oui, vous! Pour qui vous allez voter? Les séparatistes ou les fédéralistes? Eh ben, répondez pas! Ça sert à rien! Votre vote n'a pas de toute façon! Je peux la trouver. Les deux partis vous servent toujours à une vieille rengaine! Le cancer capitaliste! J'ai perdu cette trace. Mais je l'ai trouvé, je t'attends. Ok. Christine Markov, elle là? Christine Markov? On a ah, il questions. Là! Bah oui, je l'ai pas eu. Vous êtes flic? On cherche des infos sur Peter Horvath. Il bossait ici, apparemment. Ouais, il a bossé ici un temps, avant qu'il se mette à faire des discours débiles en permanence. Il parlait de quoi? Il racontait quoi dans tous ses discours? Les corpos tiennent Ryan par les couilles, mais il m'a quand même baisé. C'était son leitmotiv. Pourquoi il en voulait Homer? Vous voulez comprendre un dingue? Il devait croire que Ryan lui parlait à travers la télé, qu'il lui promettait des trucs et qu'il oubliait après. Écoutez, c'est que mon avis. Dans le monde d'Horvath, tout le monde était contre lui. Lucius Ryan voulait le baiser, et il l'a eu. D'accord. Horvath n'a mentionné personne d'autre. Et d'après Horvath, qui d'autre lui en voulait? À part Ryan, Madame la Présidente, surtout. Et aussi le vieux Arasaka. Et quand il est mort, ça a été le tour de son fils. Ce sera tout, inspecteur. Vous faites peur à mes clients. Ah là là. Alors Horvath en voulait personnellement à Ryan. Ouais. Je crois qu'on n'a pas appris grand-chose de nouveau. On pourrait croire que ça nous a pas apporté grand-chose. Mais les infos trouvent parfois un sens quand on a du contexte. Ok. Admettons que quelqu'un se plaigne d'avoir une migraine. Un détail sans importance, hein? En général, c'est vrai. Mais si après le type se balance sur l'autoroute, le voisin peut se souvenir que quelqu'un a fait des travaux sur la clim chez le gars, celui qui avait toujours mal à la tête. Alors, accident? Coïncidence? Ou du poids? Ah, super. Laisse-moi régler ça, V. Yo, Décompagie. Soit un nouveau tube, hein? Écarte-toi, Lug. Ton pote en a pris pour plusieurs années. Tu voudrais pas qu'il t'arrive pareil? Oh, il a eu le tube, il a eu le tube, il a eu le tube. On va le laisser gérer. Torishki, au côté de rien, Kariwa Kaish, t'es mort, Zé. T'as une dette envers nous. Vous avez perdu votre seul associé capable d'enchaîner deux phrases. Dommage qu'il aimait aussi tripoter les gamins. J'ai une offre. Vous foutez le camp d'ici et je vous arrête pas pour complicité dans le meurtre du maire Ryan. Il va laver ta putain de caisse. D'accord. Se promener avec toi? Carrément risqué. Ouais. Tous les gangs en ont après toi ou c'est juste les Tigers? Je suis flic. Qu'est-ce que t'espérais? Bah un peu de gentillesse quoi avec les gens. Ça fera moins de paperasse. Bon, ouais. Le Red Queen's Race maintenant. Alors, je t'emmène? Allez. On enchaîne mon bro. On se retrouve là-bas. Y'en a okay, quoi pour moi. Non. Non. On reste ensemble. Bon, d'accord. J'irai plus vite si j'y vais tout seul. J'ai compris. J'irai plus vite. J'irai bien plus vite.
J'irai beaucoup plus vite si je fais qu'un peu ça. Alors. Oh mais il arrive. Ah non, c'était lui. Mais c'est quelqu'un d'autre carrément. S'asseoir et attendre. Mince. Ah mais il est là, c'est sa voiture ça non? Ouais c'est lui. Hey, salut. C'est le territoire des animaux. Ils ont aussi une dent contre c'est toi? Le territoire des animaux. Merci, je vois ça. T'as foutu un des leurs en tôle récemment? Non. Mais eux non plus. Ils aiment pas trop les flics. Je peux pas okay. entrer sans mandat. Mais toi? D'accord. Je te tiens au jeu. Dis-moi okay. si tu trouves quelque chose. On va devoir faire ça. Vu que ma chaise est complètement pétée, je vais me mettre en mode position un peu. Vous me verrez peut-être. Ah voilà, comme ça. Très bien, là, comme ça. Genre là, ça c'est la position ultime. Ok. Ah, il m'appelle du coup. Mais attends, mais laisse-moi. Dégage. Y'a rien à voir ici. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Mais c'est pas moi, j'ai dit. Ah, c'est ouais. Un peu protégé. Ouais. Oh, elle m'a fait peur. Vas-y, vas-y. Voilà. Aïe, raté. Voilà, réussi. Raté. Mais butez-moi cet enculé ! T'inquiète, je m'en occupe. Je m'occupe de toi. Ok, lui on va le brûler. Ah merde, je peux pas. Il... Je me suis fait repérer. Ok. Bouge pas, j'arrive. C'est trop vieux pour ces conneries. Ça devrait aller en fait, hein. Ça devrait aller. Ok. Il y a un tas de cadavres là, c'est pas mal hein, pour le loot. C'est vraiment pas dégueu. Ah mais du coup il nous rejoint et il se bat avec nous. Ok, on va le faire contagion. On va chercher ça du coup. Grenade incendiaire. Ça doit être là non? Ah c'est là du coup ouais. C'était bien là. Ah ah ah. Ok. Bonjour. Vas-y bro, je t'attends. Hein.
Alors, allons au club. Moins 4, c'est assez bas quand même. Quand même bien bas. Ok. Joli. Quelqu'un voulait vraiment cacher. Immobiliser les chefs des animaux. Alors. Contagion. Là-bas, il y a quelqu'un, non? On chauffe. Contagion. Bon, on surchauffe aussi. Pas mal ça. Il y en a un dans tous les clubs. Merde, on se fait rétamer. Il nous a valé pour moi. Voilà. Oh, j'aime ce qui se passe. J'aime ce qui se passe. Faites gaffe aux grenades. Ah, moi ça me va très bien comme d'avant. Ah, on est bien là. Découvre ce qu'ils font ici, et s'ils savent quelque chose à propos de Ryan. Ah. Je dois aller taper la discute. C'est toi l'inspecteur. Mais j'ai pas de... Demande à... D'accord. Quoi? Ok. Quoi? Ah, c'est le chef. Lucius Ryan, le maire de Night City qui vient de mourir. Il était là la nuit de sa mort, non? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Aucune idée. Mais toi, tu pourrais peut-être bien être là le jour de ta mort. Tu m'entends? Pourquoi vous surveillez Stony? Y'a plus rien à chourer ici. On surveille que dalle. On attend. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'on nous file notre fric pour avoir fait du bon boulot. On a saccagé ça comme des pros, non? On a fait notre part. On attend d'être payé. Voilà, d'accord. Qui c'est qui vous doit l'argent en fait? Pour qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je pourrais accélérer votre paiement. Putain, tu me prends pour qui? Tu crois que je gobe du scope comme ça? Je cherche des infos. Alors, je voudrais faire une bonne action. Je voudrais faire une bonne action. C'est tout. Alors, va offrir du scope à un clodo. Ce serait trop simple. Puis, ça changerait rien. Je veux faire un truc qui compte, tu vois? Alors, je vais vous aider. J'ai simplement besoin de savoir qui vous doit des édits. Weldon Holt. Le roquet qui servait de bras droit à Lucius Ryan? Le candidat à la mairie aux prochaines élections? Ouais, un vrai connard pour ce poste. Ouais, d'accord. Merci, ça va m'aider. Ok, allons au bureau. Du coup, il y aurait un bureau à trouver. Où est le bureau? Donde es el burro? Casque de danse sensorielle. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça doit être le virus qui a tué Ryan. À mon avis, Ryan n'est pas mort d'une crise cardiaque. Ouais, c'est ce que je dis depuis le début. Mais... On avait rôlé sa déesse. C'est sûrement ça qui l'a tué. Merde. T'as peut-être bien raison. Ouais. Allons-y. Comme tu dis. Intéressant de se mettre ça dans le cerveau en vrai. Ok, bah par contre je trouve pas l'endroit où il y a le... Où il y a le bureau, je ne sais pas où il peut être ce fameux bureau. Peut-être qu'il est par là le bureau. Je pense pas qu'il soit là le bureau en vrai. Le bureau. Des désinfectants. Des trucs bidules.
là le bureau? Je sais pas, en vrai je sais pas où il peut être. Chercher le bureau. Peut-être qu'il est là derrière. Là ? De l'argent. Peut-être là alors ? Non. Corpo thieves must die. Les corpos voleurs doivent mourir. Ok. Non, on s'en fout en plus. Je pensais que ça aurait pu être utile. Il n'y a pas de bureau. Hein. Il est où leur bureau? Je comprends pas. Ouais, je comprends pas où on doit aller du coup. Je suis perdu dans cette immensité. Là? Ah bah oui. On dirait une sorte de bureau. Okay. Les ordinateurs, c'est surtout ça qui nous intéresse. Alors, message. Réseau local? Il y a un truc sur le réseau local? Fichier, enregistrement de caméra. Ah. Raide comme une planche. Il est mort depuis une bonne heure, je pense. Non, pas de carte de la traumatim. Il a pas dû l'emporter exprès. Oh, putain, inspecteur, du coup, c'est lui. Dans son un club pareil, on n'a pas envie que la trauma se pointe en défonçant la porte au moment le plus chaud. Putain. Sûrement le cœur, il devait se faire un truc un peu trop vicelard. Ok, ouais, on va faire comme ça. Le légiste le trouvera chez lui, je lui dirai quoi écrire. Il est mort tranquillement dans son lit. Les gars l'emmènent. Non, évidemment, personne ne les verra. C'est dégueulasse. Ouais. Ouais. Je te rappelle tout à l'heure. Bizarre. On le connaît ce type, non? V. Je suis pas d'humeur à plaisanter. Je crois qu'on a vu tout ce qu'il fallait. Bien, on y va. Pote. Ok, on fout le camp. J'ai repéré une autre sortie quand on est entré. Putain, du coup, c'est son mec, là, qui était là au bar la dernière fois. Son fameux collègue. Aïe 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 aïe. La musique est pas mal là. Fais chier. Ouais, je comprends. Bah alors. On fait de la bêtise. On connaît tout. Traîne encore avec ces minables. Écrase Harold. Je sais ce que t'as fait. Putain. Je vais pas te demander pourquoi t'as maquillé ça, ni ce que t'es allé foutre dans ce merdier. Je veux juste savoir qui t'a donné l'ordre. Qu'est-ce que ça peut faire, River? Pourquoi ça t'intéresse? T'as la conscience tranquille, tu peux dormir la nuit. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai pris toute la responsabilité. Toi, tu sais pas comment ça marche, cette ville. Tu crois que tes grands idéaux à la con, ça va changer quelque chose? Un vendu. Ils ont jamais servi à rien. Un sale vendu. Ne regarde pas comme ça, le merc. Tu sais que j'ai raison. T'es qu'un vieux vendu. Je suis pas d'ici. V, j'apprécie ton aide, mais ça te regarde pas. Je m'en occupe. Tu comptes faire quoi? Me mettre en état d'arrestation? J'ai un enregistrement, un mobile, tes aveux. Alors ouais, je pourrais.
mais ça rimerait à rien. T'as même pas besoin de me dire qui t'a ordonné de faire le ménage. Je le sais déjà. Et puisque même nos chefs sont mouillés, je dois aller voir les affaires internes. Ils feront que dalle. Pas moi. C'est toi qui vas te retrouver dans leur collimateur. Allez, rentre chez toi, Howard. Va dormir. T'arriveras mieux à digérer ça demain matin. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Fais chier. T'aurais dû lui faire manger une bastos. Y'a que ça de sûr. Possible. Ouais. Mais c'est pas ma façon de faire, V. Holt a assassiné Rein. Il voulait son poste. C'est le plus vieux mobile de l'histoire. C'est pour ça que j'y crois. Il s'est servi du NCPD pour couvrir ses traces. Je pense aussi que c'est Holt. Y'a que lui qui avait à y gagner. Je vais informer les affaires internes. J'en sais assez pour faire rouvrir cette enquête. Vas-y. J'ai un truc en bas. Toi, tu vas faire ton rapport au père Alaise ? Ouais. Ok. Je vais rester observer un peu. Merci, V. De rien, bro. Et bon, on va les appeler. Ah, je peux pas les appeler. Pourquoi je peux pas les appeler ? Mon téléphone, il est bloqué. Genre, ah, parce que je suis en combat. Pourquoi je suis en combat ? Contre quoi ? Contre qui ? C'est pas vrai, laissez-moi vivre ! Par contre, c'est horrible cette chaise-là. Elle est... Vous savez quoi ? Je vais juste aller changer de chaise vite fait. Parce que là, c'est infâme. Cette chaise, elle est complètement... Elle est morte, hein. Allez, bon, plein de vieilles chaises en bois, là, ça fait grave. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, du coup, ça me fait plus grand. Bon, ouais, ça fait le taf, hein. Ah. Allez. Ah, du coup, je suis plus grand. Bah, ouais. Ok. Ah, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude d'être aussi grind. Alors du coup on peut l'appeler la dame. Elisabeth. Alors, pour Rein, j'ai une idée assez précise de ce qui s'est passé. Parfait. Passez donc nous voir. Avec c'est plaisir. Une affaire délicate. Je préfère en parler face à face. Ouais. Nous vous attendrons. Très bien. Oh, très bien. Très très bien. Est-ce qu'ils vont tenter de me tuer ? Trop bête de tenter de me tuer. Parce qu'ils sont quand même suspicieux, eux aussi. Même si bon, ils veulent peut-être paraître juste et passer commande auprès de moi pour savoir qui a fait ça. Mais peut-être qu'il y a juste une envie de paraître gentil. En vrai, il faut trouver... Mais je pense que ouais, il y a quand même du bizarre quand même dans tout ça. Il faut quand même rester sur... Qui peut être gentil, qui peut être méchant. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors. Ah, du coup, ils veulent me faire rentrer. Waouh! Dans un appartement gigantesque. Oh, et en face, il y a un Shark Dock. Oh, on ira juste après. Hein. Oh, je propose, on y va juste après, au Sharku. V, on est à l'étage. Ah. Merci. Merci beaucoup. Vas-y. Ah non, c'est le penthouse. Vas-y, penthouse. J'ai qu'une seule chose à te dire. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi ? Je t'écoute. Leur dis rien, t'en mêle pas. C'est un vrai nid à merde toute cette histoire. Fais gaffe ou tu risques de rester au fond. Ils me paieront si pas si... Si je leur donne pas quelque chose, ils me paieront pas. Et je pourrais pas me mettre on des implants. On se débrouillera sans leur fric. C'est vrai que t'as pas besoin de manger, toi. Bonjour, V. Bonjour. Je vous en prie, entrez.
Pardon, j'ai... Merci, c'est gentil. Ne va pas tarder. Très très bien. M'en voulez pas, hein. J'arrive juste comme ça. Je vous en prie, asseyez-vous. Faudra appeler un technicien, je pense. Merci. Pas pour rien qu'ils nous ont ramené là, je pense. C'est pas pour Elisabeth rien. Elisabeth m'a dit que vous aviez des réponses pour nous. Je suis ouais. Tout oui. Je peux pas tirer de vraies conclusions. C'est une affaire complexe. Il reste pas mal de questions sans réponse. C'est trop tôt pour tirer des conclusions. Mais vous devez avoir un avis. Jeff, mon chéri, essaie de lire entre les lignes. L'affaire est compliquée. Mourir chez soi d'une défaillance cardiaque, ça n'a rien de compliqué pourtant. Nous avions raison alors. Oui, et ça me suffit. Nous allons devoir nous montrer très prudents. Vraiment très prudents, Jeff. C'est ce que V essaie de nous dire. Merci de votre aide, V. Votre argent. Soyez prudents. Surtout, veillez bien l'un sur l'autre. Bien, nous reprendrons plus tard. Titania, les chroniques de Titania livre 1. Et la conférence. Allons-nous pouvoir utiliser la mairie? Non, non, non. Jeff était au conseil jusque très récemment. Il a autant le droit d'utiliser cet endroit que Monsieur Ryan. Bizarre les mecs. Vraiment bizarre les mecs. J'avoue que c'est suspect. Très suspect. Très très suspect. Je ne sais pas à quoi me penser. Ok. Très bien. Voilà. Très bien. Parfait. Et du coup Johnny il a rien dit. Johnny il s'en fout. Bon, on va regarder un peu ce qu'on peut améliorer. Je pensais m'offrir un nouvel implant. Bonjour madame. Dans ce cas, vous avez frappé à la bonne porte. Enchanté. Enchanté madame. Madame. Waouh. Ah mais j'avais pas de nouveau place pour les bras. Je pensais. Non, c'était pour les mains. Ah, je pensais. Lididadidadou. En équipant ou lançant une arme de lancer. D'infliger un coup critique avec des armes de lancer pendant 6 secondes. D'accord. Alors attends. C'est quoi? Amortisseur. 0,2% de dégâts avec les tirs dans la tête. Sur un point faible par point d'attribut. Ouais, pourquoi pas prendre ça. Il y avait quoi sinon? Parce que vous rechargez une arme vide, le tir suivant génère une impulsion. Oh non, ça c'est trop bien. C'est trop bien ça. Permet d'utiliser le ciblage intelligent avec les armes intelligentes, connecte directement l'implant optique avec l'utilisateur, système de l'arme permettant d'obtenir les données en temps réel. Il y a ça aussi avec ça ou ça? Non, je sais pas. Là, du coup, mes armes. Attends, j'ai besoin de voir mes armes. Attends, j'ai besoin de voir comment ça rend avec mes armes. Ici. C'était un vieux dégueulasse qui bossait là. Bon, je me casse. Ah, c'est bon, ça marche, hein.
Ça marche, ça marche. Les deux sont connectés. Nice. Vous êtes nouvelle ici? C'était un vieux dégueulasse qui bossait là avant. Je sais, mon oncle n'est pas un bel homme. Mais au moins, quand on l'a vu, c'est difficile de l'oublier. Oh, génial. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne grosse gaffe pour briser la glace. Vous pensez que c'est une erreur de dire la vérité? Vérité ou pas, c'était impoli et méchant. Alors, ouais, j'appelle ça une erreur. Ah, vous voyez, c'est pour ça que j'aime voyager. Les mots. On croit qu'on sait les utiliser, mais on oublie qu'il y a toujours un contexte. J'aime bien. Elle me fait penser un peu à... Je sais plus comment elle s'appelle. Il y en a une qui est sympa. Enfin, elle est sympa. Voilà, bref. Netwatch. Ça a l'air fort, ça. Ça a l'air fort. On va prendre ça. Hein. On va prendre ça. Il y avait ça aussi. Ah, merde. De toute façon, c'est les mêmes, non? C'est les mêmes, ouais. C'était les mêmes. Les yeux. Les yeux. Ça fait s'active lorsque vous utilisez votre scanner. Identifiez les ennemis dans un rayon de 17... Non. Oh. Wow, ça c'est des sacrés yeux. Hein. Ça c'est des sacrés yeux. 23 la puissance d'attaque au corps à corps. Non. Il y a ça là qu'on peut changer. C'est votre... Vous soignez automatiquement avec votre objet de santé. 35%. Et plus 14 d'efficacité pour tous les objets de santé. Ah! Ça me plaît. Hein. Ça me plaît. Et du coup, c'est quoi si je l'améliore? Ah, du coup, ça ferait... Ouais, allez. Allez, hop. Et ça, c'est quoi? Plus 5% de santé lorsque vous neutralisez un ennemi. Bof. Lorsque vous utilisez une arme de corps à corps, bof. Fonctionne comme un puissant objet de santé. Pompe sanguine, restaure instantanément 80... Pompe sanguine, d'accord. Ah oui, comme dans la série, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Contre les ennemis empoisonnés, on s'en fout. 3% de santé quand vous touchez un ennemi. 100% de santé quand elle tombe à 0. Ne peut pas s'activer dans certaines situations comme en cas de chute de très haut. Waouh. C'est pratique, mais cher. V'là cher. Cœur auxiliaire. En vrai, c'est pas dégueu. À la place de... plus 15% de la vitesse d'attaque de corps à corps. Why not, pour l'instant. Et ensuite, on a, du coup, appuyé pour faire un double saut. C'est quoi qui change? C'est la vitesse, c'est le saut. Donc voilà, ça, c'est pas grand-chose qui change. Ok. Ensuite, on a ici, système tégumentaire. Requis. Ah oui, du coup, il nous faut vraiment plus de... Edge runner. Capacité vous permet de dépasser votre limite. Est-ce que... J'ai envie de voir si je peux me faire le Edge Runner. Pour l'instant, on s'est mis pas mal de choses en plus, c'est pas dégueu. Constitution. Il est où le Edge Runner? Dans capacité technique. Hein. Il est là. Ah, il faut 20. Si cher. Bon, bah. De toute façon, il nous faut encore 2 points de compétence. Donc, il va nous falloir 3 niveaux pour le Edge Runner. Ouais, c'est cher, ça reste cher. On est d'accord. Alors attends, on continue. Squelette. On peut mettre ça. En position accroupie. On peut mettre ça. Et ça aussi. Ah bah non, du coup, ouais. Non, il faut l'acheter, ok. Système nerveux. D'accord. Bah là, en fait, on a juste pas assez de... Afficher l'arbre d'avantages. La cybercapacité. Cette limite augmente lorsque vous gagnez des niveaux. Obtenez certains avantages. Utilisez des éclats de cybercapacité. D'accord. Ok. D'accord. Alors.
On a ça, une armure simple mais efficace. Ouais, en vrai, on va changer d'armure un peu. C'est pas dégueu. Ça, pareil, c'est une armure. Ouais, c'est une armure. Hein. On va prendre. Pas dégueu. Ok. On a changé ça. Ça, c'est quoi? C'est le niveau en plus. 40% de la vitesse de déplacement. Si je l'enlève, est-ce que genre... Attends. Si genre je le retire, comment je fais pour retirer? Les équiper. Voilà. Est-ce que je peux équiper des choses un peu plus intéressantes? C'est quoi ça par exemple? Neutralisation réussie, confère 20% de dégâts. Ralentit le temps pendant 4 secondes lorsque votre santé est en dessous de 25. C'est pas possible. C'est pas compatible avec certaines choses. Ouais. Pas fou, hein. 40% de la vitesse de déplacement lorsque vous engagez un combat. Augmente la vitesse de déplacement proportionnellement au nombre d'ennemis que vous avez détecté. Position qu'on fait. Nanana. Ralentit le temps. Est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes? Ouais, il y avait des trucs plus intéressants. Donc on va pas prendre pour l'instant parce que c'est justement, c'est pas intéressant. Les lames, est-ce qu'il n'y a pas des meilleures lames? Ah oui, il y a les monocables. Ah oui, il y a des lances projectiles. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Ah, il y a... Ouais, non, par contre. Les monocables sont pas dégueux. Le matériel pour bras monocables vous permet de frapper plusieurs ennemis à la fois et ce à distance. Ah, des chances de brûlure. Des chances d'hémorragie. C'est pas dégueu, hein, le monocable, en vrai. Après, les lances-grenades, ça, j'aime bien. Lance-projectile. Ça, j'aime bien. C'est quoi? Dégâts de physique, dégâts d'empoisonnement, dégâts de brûlure. Ça, j'aime bien. En vrai, j'ai envie de tester. J'ai plus d'argent. Vas-y, vas-y. On tente, on tente. Je sais pas si c'est bien. Je sais pas si c'est bien, en vrai, le lance-grenade. Mais en vrai, j'ai envie de tester. Hein. Attention, est-ce que je peux, par contre, vendre des choses? Ouais. Oh, attends, il y a un pompe qui a l'air mieux que celui que j'ai actuellement. Ah non. Il fait juste plus de dégâts. Bon, on va le mettre alors. On va le mettre. Lui là était pas mal aussi. On va le garder le temps de se rendre compte de notre erreur. Si jamais c'en est une. Ok. Ok, argent c'est bon. Argent, parfait. Ok. Ok, on n'est pas dégueu. On va enlever comme ça, hein, bleu, tout ce qui est bleu, pas beau. Enfin, surtout ce qui est vert, voilà. Je cherche à améliorer mes implants. Plus 3 de santé, bonus de dégâts contre les ennemis ayant toute leur santé. Améliore plus 15,6 de charge limite, vitesse de récupération des grenades. Ah! Ça me plaît ça. Ça me plaît ça. Ok. Effet de l'objet de santé. Bonus de régénération de santé. Pas dégueu. Une vision réduite pour les ennemis. Pas dégueu non plus. Alors je vais voir d'abord avant. Qu'est-ce que je peux améliorer. 3 dégâts d'explosion. Vitesse de chargement. Résistance des dégâts au corps à corps. Boost de santé. Vitesse de rechargement, en vrai, why not? Je peux faire ça ou boost de santé. Si je peux faire les deux, je suis pas contre. Hein. Non, je peux pas faire les deux, évidemment. Bah pour l'instant, on est pas mal. Hein. Alors, je veux bien après tester. C'est de la merde, le lance-grenade. Oh, lance-grenade, c'est de la merde! Oh, comment c'est à chier le lance-grenade! Oh merde! Je pensais pas que c'était aussi nul en fait! Bon, en vrai, on va voir.
Mais qu'est-ce que je voulais voir? C'était voilà, ça, remettre tout ça. Alors on a quoi? Appât. Impossible pour l'instant. Ah, parce qu'on est en combat. Voilà, là on peut mettre. Alors, on a dit le fameux choc sonore, non? Contagion. Circuit. Cyberpsychose, on l'avait. Demande de renfort, je sais pas. Dysfonctionnement d'armes. Effacement de mémoire. Oh, c'est marrant ça. Effondrement système. Intraçable. Perturbe le système nerveux de l'ennemi qui perd connaissance sans faire de bruit. Fort ça. Le suicide. La surchauffe. Redémarrage d'optique. Est-ce que j'ai un ping? Court-circuit, on l'avait. Ah non, on l'a déjà mis. Il y a court-circuit et court-circuit. J'ai des dégâts sur les mécanes. Cumulable 8 fois. Désactive le matériel cybernétique de l'ennemi. 10 secondes, temps de chargement. Moi, j'ai pas compris. C'est quoi la différence entre les deux? Ah, parce que en gros, ça fait 611. Ça, c'est instantané en fait. Ah, ok. Ok, c'est deux trucs différents. Ça en fait. Déséquipé. Ah, pas. Et j'ai pas le ping. Ouais, après, j'ai le ping classique. J'ai le ping classique et le contagion. Bah tiens, j'ai pas mis mon contagion. Qu'est-ce que j'enlève à la place? Prendre mon système. Redémarrage d'optique. Effacement de mémoire. Ouais, pas fou, on va mettre la contagion plutôt. C'est pas dégueu là, en vrai. On n'est pas dégueu vraiment. On n'est pas dégueu. Ah mais du coup, d'accord. Ah ouais. Oh, c'est pas fou. Hein. Dégâts par coup, mais c'est nul à chier. Ah non, mais c'est vraiment nul en fait. Ah, je pensais pas à ce point là. Ah, je pensais pas que le lance-grenade c'était aussi nul en fait. Ah donc ouais, en gros j'ai dépensé un peu d'argent bêtement, mais c'est pas grave. Ok, bah lance-grenade c'est... non. En fait je trouvais ça assez intéressant, mais ça ne l'est pas. Bah on avait dit du coup on prendra le truc de feu, dégâts de brûlure. Ou alors est-ce qu'il y a dégâts de foudre? Ah ouais. La foudre ça peut être pas mal. C'est quoi les dégâts? Dégâts ça fait 79, c'est pareil après. En fait les deux c'est pareil, c'est soit je mets le feu, soit de la foudre. Allez, la foudre. Ça peut être pas mal. Est-ce que je peux revendre? Vendre? Ah ouais. Ah, ça, c'est pas con, ça, de revendre. Ça, c'est pas mal. Je peux revendre des trucs qui me servent plus. Ok, ok. Ouais, genre... comme ça, là. Ok, bah c'est bien, parce que je pensais pas qu'on pouvait revendre. Ok, et là bah par contre là on va se faire plaisir. Oh comment on va se faire plaisir. Oh y'a tellement à revendre. Y'a juste le Sand Devistan, je pense qu'on revendra pas. Parce qu'on... il est sympa. Ça c'est celui du jeu en plus, non? Ouais. Ouais, c'est celui-là je crois. Parce qu'il est légendaire, donc je pense que c'est lui. À moins que... il y a lui et lui. Il y en a deux en fait, des Sand Devistan un peu légendaires. Bon, je sais pas trop lequel est celui du jeu. Bref, enfin de la série, faudrait que je regarde vraiment le nom précis. Mais là on est déjà pas dégueu, hein. Vu la défense qu'on a, on va déjà être un peu plus en détente sur la suite. Alors on va aussi ajouter les modifications juste là. Est-ce que ça me fait dépenser de l'argent quand je fais ça? Genre là...
j'ai pas l'impression que c'est juste mes boosts, j'ai l'impression qu'ils partent. Ok. Ah, ils deviennent violets, ça, c'est cool ça. Ça, j'avais pas remarqué. Ok. Pas mal, pas mal. Et ben, good. Good, good, good. On est bien. Madame, je reviendrai. On est bien servi ici. Alors non, par contre... Ah, mais elle veut me kidnapper, c'est quoi ça? Ok, donc, on a le monocable. C'est stylé le monocable. Oh, waouh. Ah, bonjour. Salut, V. J'ai besoin de ton aide. Vas-y, je te suis, mec. Vas-y, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je préfère pas t'en parler, Paolo. Faut qu'on se voit. D'accord. Où et quand? Le Glen, ce soir. Je t'enverrai les détails. Tu pourras être là. Ouais. Je ferai de mon mieux. On arrive. Merci, V. De toute façon... Vaut mieux qu'on se concentre sur une seule quête à la fois. Il nous aiderait bien. Où est-il, cet amigo? Alors, wesh, il est où? Attends, les coordonnées de River. Retrouve-moi ici. Ok. Ok. Alors. Juste là. Parfait. Parfait. Oh, par contre, ouais, ça n'a rien à voir. La chaise, elle me défonce. Je comprends pourquoi... Ota, elle aime pas trop cette chaise. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, je comprends. Je comprends pourquoi elle reste pas tout le temps assis. Il y a Oreo qui arrive en courant sur mes pieds. Je regarde juste si c'est tout bon pour vous. Ouais, c'est tout bon. Est-ce que j'ai tout revendu? Est-ce que j'ai tout ce qui m'est pas intéressant a été revendu? Ouais. Ça là. Ce qui est là, ouais. Qui est en violet en vrai. Voilà. Pas mal, pas mal. On est à 140 000 dollars. Putain, ça a fait un peu de sous hein, quand même. On est bien. On est bien, on se débrouille, on se débrouille. Mais j'aimerais bien essayer de passer le niveau 50, ça ce serait top. Ce serait pas dégueu en vrai. Alors, bonjour messieurs. Non, y a personne. Bah, je vais l'attendre là. Eh ben c'est là. Tic tac, tic tac, tic tac. Attention, on a pas mis ça. Les PNJ, ils ont pas bougé, ça me fume. Il y a juste plus qu'à spawn en fait. What's up? Hey, salut. Salut, bro. Est-ce que ça va bien? J'ai connu mieux. Ah bon? Je sais. Ça saute sûrement aux yeux. Qu'est-ce que c'est le problème? Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avais besoin de parler à quelqu'un. Hein? Regarde d'abord ça. Quoi donc? Les news! Bonjour, je suis Harry Fickball, vous regardez WNS News. Aujourd'hui, un contrôle routier de routine a mené le NCPD sur les traces d'un dangereux ravisseur et meurtrier. L'incident s'est produit à l'intersection de la 7e et la 15e avenue. La vidéo a été filmée sur place par la police. 1038, je répète, un 1038. Numéro de plaque 2AA6244. On s'apprête à sortir du véhicule. Bien reçu. Sortez de la voiture. Du calme, monsieur l'agent. Tout va bien. Ferme-la. Oh putain. On a un 1053 et un 1054. Je répète, un 1053 et un 1054. What? Ils l'ont abattu? Le garçon sur les images est Levar Martinez. 17 ans. Ses parents avaient signalé sa disparition il y a un mois. Malheureusement, le Var n'a pas pu être sauvé. Son corps n'ayant pas supporté le choc septique qu'il a subi.
Le rapport d'autopsie a révélé que l'adolescent avait reçu de grosses doses d'hormones, d'anabolisants et de stimulants. Les affaires et les empreintes génétiques de 7 autres adolescents portés disparus ont été retrouvées dans la voiture appartenant à un certain Anthony Harris. On ne sait malheureusement pas ce qui leur est arrivé. D'accord. Le criminel, plus connu sous le nom de Peter Pan, a survécu à la fusillade. Mais il n'a pas encore repris connaissance et ne peut pas être actuellement interrogé. Restez sur N54 News pour suivre l'évolution de cette information. Mon neveu, Randy, il a disparu il n'y a pas longtemps. Oh merde. Et sur ce que tu viens de voir, le gamin portait les chaussures de Randy. Oh merde. Comment tu sais? Ils se sont dit que t'étais trop impliqué, ils ont pas voulu te mettre sur l'enquête. Ordonnance restrictive. Interdiction de m'en mêler. L'enquête a été confiée à Gonagall, un vrai branleur. Il a pas avancé d'un pouce depuis. Je serais pas tombé à ta place. Je refuserais de lâcher l'affaire. Je sais. C'est pour ça que je te demande ton aide. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on va retrouver son neveu. Même si ça n'a rien à voir avec la bande, c'est trop cool. Mais on peut regarder ses rêves. Attends, ses rêves? T'as bien entendu. Viens, je t'expliquerai en chemin. Allons-y. C'est une procédure expérimentale, mais elle donne déjà des résultats. Ils enregistrent des rêves qu'on peut revoir comme des DS. T'as accès à des rêves? Ces rêves? Pas encore, mais ils les gardent dans un labo. C'est là qu'on va. Ok. Allons-y, allons-y. Ok. T'as rien remarqué chez moi? Okay. Passons les garçons, c'est tous les mêmes. Hein. Et ils remarquent jamais rien. On va entrer ensemble, mais pas par la grande porte. Ah, on va enfreindre la loi? On va trouver un autre moyen d'entrée et puis se tirer vite fait. Ok. Je suis jamais venu ici. Alors je vais avoir besoin de ton aide. Ok. Allons trouver ce qu'il faut. Oh, pardon, Oreo. Je savais pas que t'étais là. Ah. Tu savais pour l'audit? J'ai fait mes devoirs. Tu sais où ils la gardent, la déesse? Sûrement la pièce où ils éditent les rêves des enfants autistes. Avec le nom d'Anthony Harris dessus. Oh là. Qu'est-ce qu'on a là? Des infos, modifications concernant la sécurité, un bon petit pas pour la science, un bon coup de géant. J'aimerais féliciter pour ces avancées récentes. De fouiller toutes les pièces. C'est quoi cette référence à Death Stranding? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cet appareil simule les conditions internes du Tyrus. C'est une fucking référence à Death Stranding là. Fermé, impossible d'entrer. C'est incroyable la référence. Ok. Ok, ça va être les mêmes. Les mêmes infos. Les mêmes infos. Nouvelle phobie. Ouais. Ok. C'est pas là, ouais. T'as bien raison.
ça doit être plus là, non? Ah, il y a un truc là. Des papiers. De la paperasse. Ok, ça doit être peut-être par là. Cet ordi a l'air intéressant. Question concernant la sécurité. Audit de cette semaine. Conditionnement pour la danse sensorielle. Ah, ça doit être ça. Hein. Non, même pas. Pour mes honoraires. Peut-être que c'est derrière cette porte là. Ça m'a l'air d'être le cas en plus. Hein. Juste à trouver le moyen d'entrer. Ah ah! Un boîtier de DS vide. Hey River! Je crois que j'ai trouvé. T'as trouvé quelque chose? Pas encore. Anthony Harris. Regardons dans ces tiroirs. River, pourquoi t'as pas simplement demandé à un gardien de t'ouvrir la porte? Je peux pas risquer de me prendre un blâme pour avoir fourré mon nez dans l'enquête. River? Yawen! Qu'est-ce que tu fais là? T'as été renvoyé de la police! Suspendu, c'est tout. Je peux savoir qui vous êtes? Je vais appeler la police, la vraie! Hé, attends, je t'en prie, écoute-moi! Franchement, River, t'avais pas assez d'ennuis comme ça? Harris a kidnappé mon neveu. J'en suis désolée, mais nous stockons des preuves ici. Il y a des protocoles très stricts. Là, il faut sauver un enfant des quand même. Des protocoles ? C'est la vie de son neveu qui est en jeu là. La vie d'un enfant. La police a déjà ouvert une enquête. Partez, s'il te plaît. Allez, tout de suite. Écoutez, vous bossez avec la police, non ? Vous les connaissez ? Même avec les meilleures analyses, ils se planteront. C'est justement à cause de ce genre de raisonnement que l'anarchie règne en ville. L'anarchie? Ton premier examen à l'école de médecine, tu t'en souviens? Tu sais, celui que t'as réussi haut la main, t'as pas pu l'oublier. Les toilettes des dames ont brûlé. Il a fallu évacuer tout le monde pendant 2 heures. J'en reviens pas, tu me ressortes cette histoire! Je ne veux plus jamais vous revoir ici! Surtout toi! Vous ne le connaissez pas bien, n'est-ce pas? Ce type est une ordure. On est amis, River et moi. Il m'a encore jamais laissé tomber. Ouais, c'est le bro. Moi aussi, je nous croyais amis. C'est pour ça que vous refusez de l'aider? La déesse des rêves d'Aris, elle est où? Il ne rêve pas. Comment ça? Une balle a endommagé son cortex cérébral. On ne capte que des fragments. Des envies dissonantes. C'est fermé, là. J'aimerais... Essayer la stimulation audiovisuelle. Mais il n'est pas autiste. Vous pouvez atteindre les enfants avec leurs chansons ou leurs films préférés. Ça vaut le coup d'essayer. Je vois très bien la similitude. La stimulation de l'hypothalamus et la production hormonale. Mais Harris n'est pas un enfant. Je n'ai jamais tenté cette procédure sur un adulte. On peut essayer. On peut essayer. Nous ne savons même pas ce qu'il préfère. Je trouverai quelque chose. Ça veut dire que tu veux bien essayer? Allez-vous-en. Je vais vous ouvrir la porte principale. En route, V. Je sais parfaitement par où commencer. Ok. Tant que j'y suis, vous savez quoi sur les biopuces? La relique d'Arasaka en particulier. Eh bien, elle sert à stocker un engramme neural. Pardon. C'est comme une copie de la mémoire et de la personnalité de quelqu'un. Oui, ça je le sais. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe si l'engramme de la puce écrase celui de son porteur. Écraser? Je ne sais même pas si c'est possible. Pourquoi cette question? Non, pour rien. C'est pas important, merci. D'accord. Ok, bon bah elle nous a pas aidé pour nous, mais on l'a aidé t'as pour... T'as la cote avec les flics. Fais juste gaffe à pas devenir son petit chien-chien au final.
Johnny. Tu pues le fast food, arrête, j'ai envie d'en manger hein, maintenant. Maintenant j'ai envie de manger du fast food. Alors, j'ai plein d'appels manqués. Alors il faut juste que j'aille voir Ota deux secondes. Je vous laisse avec la conversation. Ok, je t'écoute. Ah, il m'a parlé. Mince, qu'est-ce qu'il dit? Il était viré de la police, bro. On t'a viré de la police, alors? Non, suspendu. La mort du maire, c'était une affaire qui puait. L'enquête a été enterrée, alors... J'ai protesté. Pas la peine de te demander comment tu te sens, hein? Non. C'est juste que... J'ai du mal à en parler quand j'ai un souci. Je comprends. Tu peux quand même me dire où on va? Chez Joss, la mère de Randy. Elle croit qu'il a juste fugué. Pour l'instant, on garde cette histoire d'enlèvement entre nous. T'as rien dit sur le père de Randy? Le père de Randy, il est où? Il s'est fait tuer il y a quelques années. Guerre des gangs. Le père modèle. Joss s'est retrouvé toute seule avec trois gamins. Mais c'est une coriace. Ok. C'est qui ce Randy, du coup? C'est quel genre de gamin? Le genre à commettre des petits larcins. Prendre de la drogue, fuguer. Heureusement que son tonton flic voit le meilleur en lui. Certains ont le don pour s'attirer des ennuis. C'est le cas de Randy. D'accord. Tu peux me dire pourquoi on cherche pas plutôt l'appart d'Harris? C'est une maison. Mais je doute qu'ils retiennent ses victimes au sous-sol. Et puis, c'est ce qu'on essaie de faire. Je veux voir s'il y a un lien avec Harris chez Randy. Plutôt mince comme piste. C'est ce qu'on a de mieux pour l'instant. Et Yawen, t'as confiance? T'as pas peur que Yawen suive les règles? Qu'elle te balance à ses supérieurs? On était amis. Je doute qu'elle fasse ça. Et puis je dis pas que je m'en servirai. Mais je sais quel squelette elle préférerait garder dans son placard. Tu crois okay. que Yawen va vraiment nous aider en y réfléchissant bien? Ouais, on s'engueule mais ça finit toujours de la même façon. Je te raconterai ça un jour autour d'une bière. Notre priorité actuelle c'est de retrouver Randy. T'as raison. Ouais. Re-anonyme. On est sur une quête où il y a du coup, lui c'est un ancien policier. Lui c'est un ancien policier qui a perdu son neveu. Et le but... c'est de retrouver le neveu, voilà. Donc on sait pas où il a disparu. Tout ce qu'on sait c'est que bah il y a un mec bizarre qui l'a chopé. Il a été arrêté par la police, mais Randy n'a lui pas été retrouvé. Voilà un peu la quête. Comment ça se passe du coup pour Démon son live? On y est. Ça faisait un bail. Je venais ici tous les week-ends. Et du coup là on est chez Randy. Ok. Et ça a changé depuis. Pour retrouver des indices. Les endroits de ce genre changent jamais. Rivers. Ah bah c'est gentil, c'est gentil. Mais si jamais t'as envie de rester aussi sur le sien, n'hésite pas. Quartier.
C'est bon, Johnny, arrête de juger. Hein, Johnny ? Hein, Johnny ? Ouais, c'est ça. Il disparaît, ouais. Après, quand t'as ton streamer pref qui live et ton crush, c'est compliqué. C'est vrai. River. Tu devrais... Soit t'es là pour le boulot, soit t'as du nouveau sur Andy. Tu ramèneras vrai, pas ton vrai. Cul fais, ici fais comme tu préfères, en vrai. Joss, et... je te présente V. Bonjour, Joss. Alors, V, c'est à propos de mon Randy ? Randy se fait enlever. Quoi ? Pourquoi t'as pas appelé ? Joss, je... Tu voulais me cacher la vérité, comme toujours. Bah, on est là. La police a arrêté le type. Mais il a reçu une balle. Il est dans le coma, sous surveillance. Et Randy, il est où ? On le cherche, Joss. Ici ? On fouille ses affaires. Écoutez, il faut qu'on fouille les affaires de Randy. Pourquoi ? On bah oui, bien sûr. Non, mais je suis totalement d'accord. Tu fais vraiment ce que tu veux. Joss. Essayez de rien casser. Randy déteste qu'on fouille dans ses affaires. Nickel. Viens, V. Allons fouiller. Les enfants jouent dehors. Dis-leur que c'est l'heure de manger. Nouveau contact, Joss. Ok. Joss, le personnage important. La mère célibataire. À quoi tu penses ? Je crois que c'est mieux qu'elle sache la vérité. Ouais. Voilà le mobilum. Examine chaque détail, d'accord ? En plus, je remarque qu'il y a le bot qui a parlé depuis... Ah oui, ouais, ouais. Oncle River ! Oui, les enfants ! Monique, enfin, c'est Dorian. Pas moi, du coup. C'est pas bonjour moi, les enfants. C'est ton petit ami ? Juste un ami. Bon, non, je suis pas son petit ami, mais peut-être. Peut-être qu'on peut être un petit alors ami. Alors, tu vas rester ? On verra. Votre mère vous attend pour dîner. Ok. Ah, une platine. C'est leur ancien mobilhome. Randy s'y est installé quand je leur en ai acheté un nouveau. Oh, mais c'est un gars gentil. Vrai trouard. Comme moi à mes débuts. Fais le tour. Je m'occupe de la poubelle. Ok. Il y a une clé là. Je la récupère après quand je peux. Hein ? Bien évidemment. Là, je peux pas. Là, je peux. Ah ! Il y a un genre de clé là. Une vraie antiquité. Ils iraient mal ensemble, c'est vrai. Ce après, on n'a pas d'âme, hein. On n'a pas d'âme. On n'a pas d'âme. Est-ce qu'on peut voir... Application... Base de données... Personnage... Là. Mixeur, autre personnage. Personnage de l'histoire. Ah ! Est-ce que je peux voir Paname ? Voilà, elle, c'est sûrement notre waifu. En tout cas, on s'est embrassé, donc il y a moyen. Voilà, en tout cas, la fille. Et... Ça, c'est nous. Pas mal, hein. Après, il y a Misty, ça, c'était la femme de notre copain qui est mort. Elle, elle est morte. Elle est vivante. Mais elle aimait cette personne-là. Une waifu, c'est genre un crush, quoi. La personne qu'on veut le plus au monde. Della Main, c'était un robot. Mais voilà, en gros. Ok, chercher des indices. Ok. Sa guitare de Randy. Il aurait peut-être pu cacher des choses dedans, Randy, on ne sait pas. Wow. Et encore les encoches qu'on faisait pour mesurer la taille des enfants. Arrête, Oreo. Le lapin du diable. Il a laissé son sweat préféré dans le placard. Un tiroir, ah oui. J'ai trouvé un jeu. Il y a un code d'expédition dessus. Oula, oula, oula! Ah oui, d'accord. Oui! Ouh!
J'ai eu un peu peur, j'avoue. C'est du matos coûteux. Randy avait de quoi se payer ça? Tu plaisantes? Alors, il aurait jamais pu se payer du matos pareil. Qu'est-ce que ça c'est? Bien trop cher. Qu'est-ce que c'est? Faut y accéder. Mais ah bah des monstres, c'est un peu mon waifu. Et bah c'est ça. Tu peux le craquer. Ok, ah oh, trop cool. Là, ouais. Vas-y, j'essaye. Vas-y, vas-y, on voit. Vas-y, vas-y. Furio, arrête un peu. Alors. Oula. Alors BD 1C. 55 E9. C'est piraté. Un accès à la vidéo cryptée. Eureka. Tu peux m'aider à examiner tout ça? Eh bien, évidemment. Alors, désolé, je voulais t'appeler. Désolé, j'ai passé la moitié de la journée assis dans ma porte. Ils ont chopé dans un véhicule comme celui-là. Ok. Merci. Une rue barrée. Merde, River. Je me souviens de ce jour-là. D'accord. Il vit près d'une vieille école. Je voulais juste te dire merci en général, je m'accroche à l'idée qu'il y a d'autres gens comme toi. Un sacré sens de l'empathie, ce type. Hein. Pourquoi tu nous aides au fait? Avant j'étais comme toi, comme vous tous, la vie m'a pas épargné. Donc c'est un mec qui a essayé d'amadouer un peu Randy, d'accord. Salut, j'espère que tu ne voudras pas, je vais utiliser mes privilèges. Et lui a envoyé le jeu en cadeau. Ok. Celui que t'as trouvé dans son tiroir. Ouais. Ouais. Le code d'expédition indique que ce salopard l'a envoyé depuis les Badlands. Ça pue un peu. J'ai encore déconné. J'ai pris de la drogue, désolé. Je sais pas pourquoi. T'es Randy comme un pro. Bah c'est ça. Et quand t'es tout à fait normal, Randy, t'es comme tous les gens avec un cœur organique qui bat. Oublie pas que je suis toujours là. Si t'as besoin de parler, je peux te comprendre, t'aider. Je suis sûr que tu t'en sortiras comme tu l'as toujours fait. Merci pour hier, la ville était magnifique du haut de ce château d'eau. Franchement, j'étais sans voix, mais c'est peut-être parce que j'ai le vertige, c'était vraiment bien. Ok, ok, à Brandy, Nathalie, d'accord. Et en fait... Ouais, non, c'est... Nathalie, c'est juste ça, waifu. Tout de suite, anonyme. Je dois dire, je trouve ton site vraiment Nova. River. Oula. Tu vois ce que je vois? Je pourrais être rencontré en personne à l'endroit et l'heure dont tu parlais. Je suis vraiment impatient. Randy a accepté de le rencontrer. Ouais. Mais en plus, il était aussi excité qu'un gamin en route pour le parc d'attractions. Putain. Putain. Ce malade lui a vraiment retourné le cerveau. Je comprends, j'avais une famille normale non plus. 10%. Ok, aujourd'hui, je dis. Randy, Nathalie. Ok. Nathalie devait être la seule personne en qui Randy avait confiance. Ouais. On peut voir la page avec le lien. Regardez la page mentionnée. Attends, j'aurais dû ça en dernier. Un rapport, ça commence à me gonfler. Le net, du coup. Il y a un lien. C'est de ça que Randy parlait. On va le savoir. Cliquez sur l'image. Ok. Une page cachée créée par Anthony Harris. Putain, ça me rend malade. Le refuge de Tony, l'endroit que vous cherchez, l'endroit où vous donnez une meilleure version de vous-même grâce à Tony. Je vis avec des amis. Voyez-moi comme un fermier qui veille sur son troupeau. Présentez-vous et restez un peu. Ensemble, nous montrerons à ces vieilles fermes de quoi nous sommes capables. Il est temps de vous décider. Voulez-vous rester dans l'ombre de vous-même ou devenir celui qui vous avez toujours rêvé d'être? Nous rejoindre. Putain, River, c'est tordu. Ce type s'en prenait aux gamins perturbés. Il ciblait les garçons comme Randy. C'est ma vous faute. Vous deviendrez surhumain. Vous résistant à la magie, si fort en bonne santé et invincible. Ouais, d'accord. Si j'avais pris plus le temps de parler avec lui. Un message à Anthony. Hé, arrête. N'oublie pas que vous faites partie des amis. C'est pas toi le responsable de ça. Il y avait un fichier, là. Il l'a supprimé, on dirait. Mais le nom est toujours là. Ce fichier V... Putain, c'était peut-être ce qu'on cherchait, et il s'est envolé. Pour étudier l'activité.
il est là. Ok. Black Metal a produit. On s'en fout. Volume de la trilogie du destin, on s'en fout. Et c'est donc ça qu'on cherche. Eh, hey, regarde. Ah, ça. Le nom de ce dessin wow. animé correspond au fichier manquant sur la page d'Aris. C'est ce qu'il fallait trouver pour Yawen. V, on a trouvé. Andy a dû le télécharger. Oui, mais tu comprends pas, V. C'est peut-être la clé pour entrer dans l'esprit d'Aris. Espérons-le. Dis, tu pourrais pas en tirer autre chose avec un tour de passe-passe de Netrunner. Tenir l'adresse IP. Bah j'ai pas les compétences actuelles. Actuellement, désolé bro, mais je suis pas Dieu. Non, je fais pas de magie. Ok, va falloir se débrouiller autrement. Ce dessin animé, River, c'est peut-être ce qu'on cherchait. Tu disais qu'on devait trouver quelque chose qui ferait rêver Aris. Envoie-le à Yawen. Ouais, je le vois tout de suite. Bon, elle dit qu'elle me recontacte d'ici demain matin. Où tu vas ? Bon, elle dit qu'elle me recontacte d'ici demain matin. Ouais, ouais, d'accord. Et okay. que je suis un vrai salopard. Et... bon, viens. On va manger un morceau. Ok. Ranonim. Alors, allons-y, mon ami. Écoute, Joss est déjà assez inquiète. Inutile d'en rajouter, d'accord? On est sur une piste. On en saura plus demain. C'est tout. Dorian, s'il te plaît. Mais ça a vraiment un goût de crotte de nez. Joss, on a terminé. Vous mais c'est des nouilles, putain, c'est trop bon. Alors. On t'en a laissé un peu, oncle River. Merci, Monique. Ah, la petite gamin. Parlez à Joss. Moi, je veux bien bouffer ce qu'ils n'ont pas mangé. Dites-moi que vous avez quelque chose. On en saura plus demain. J'ai envoyé une preuve au labo. Il y a des chances pour qu'on sache où trouver Andy d'ici l'aube. Depuis quand t'as pas mangé ? Hier. Prends ma part, j'ai pas faim. Merci, peut-être plus tard. Oh. Il mange ou il joue avec la sauce ? Là, je sais pas ce qu'il Toi, fait, ouais. Toi, essaie pas de m'embrouiller et réponds sans regarder mon frère. Vas-y. Est-ce que vous allez retrouver mon garçon ? Je peux rien vous promettre, Joss. Mais on fera de notre mieux. Vous ferez de votre mieux. Joss, ça te dérange pas si V prend le mobilhome de Randy cette nuit ? Non, pas de soucis. Tu restes, hein. Faut que tu m'aides jusqu'à ce que cette histoire soit terminée, d'accord ? Ok. Bien sûr que je reste. Tu vas retrouver le chemin ? Ouais, et je vais me pioter, Fissa. Tiens le coup, Joss. Ça doit pas être facile d'élever trois gamins toute seule. Ben, c'était pas plus facile avec mon mari. Ah. C'était quatre On gosses du coup. Les jours où il rentrait pas à la maison. Bon bah du coup c'est mieux aujourd'hui. Il m'arrivait de souhaiter qu'il disparaisse pendant un mois, juste pour pas l'avoir dans les pattes. Ah. Il était si mauvais. Il était si mauvais. Sa moto et l'autoroute, c'était son monde. Mais ah ouais, d'accord. À la maison. Quatre gosses. Je vais te raconter une histoire. Un jour, il a emmené Dorian en ville. Il avait une course à faire. C'était une sortie père et fils. Ce soir-là, il est revenu ivre-mort, en m'engueulant parce que je lui avais envoyé les flics. Quoi ? C'était vrai ? River l'a retrouvé dans un bar et il a ramené Dorian à la maison. T'as dû être soulagé alors, quand il est mort. Pendant des semaines, j'ai pleuré toutes les nuits. Mon mari avait été tué.
le père de mes enfants. Je suis désolé. Ouais. Randy a changé. Il s'est renfermé. Et je te parle pas des deux autres que je devais encore élever. La vie était dure avec mon mari, mais sans lui aussi. Parfois, il n'y a pas de solution. Mm. Il est mort comment ? Les ouais, hommes de fou. Les m'ont dit qu'il est mort de façon honorable. Il me fait un peu de peine aussi. Je hein. sais pas trop ce que ça veut dire. Aïe, 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 ils m'ont montré son corps. Ce qui restait de son visage. J'y ai vu aucun honneur. Dégueulasse. Bon. Parlons d'autre chose. Bonne nuit, ma belle. Demain, je te ramène ton fils. Allons-y. V, réveille-toi. Wake up. Non, j'ai pas fini ma nuit. Yawen a appelé. Le dessin animé. Ça a marché. Il rêve. Oh. T'as la DS ? Juste là. Insère-la et connecte-toi à l'ordinateur. Je veux la voir sur l'écran. Et le petit déjeuner. J'ai oublié. C'est le rapide, ta doc. Pas mal. Je suis tellement crevé. Il y a un pirate dedans. Ah ! Ça me donne faim, tout ça. Alors. Qu'est-ce qui va pas chez toi, Anthony ? Je dois le signaler. J'espère que tu comprends. Ce n'est pas un comportement normal, Anthony. Tu as tué la tortue de Liam. Elle était malade. Elle voulait pas manger. Elle restait dans sa carapace. Je voulais juste l'aider. En lui injectant de l'hormone de croissance ? Qu'est-ce qui t'a pris ? C'est ton père qui t'a appris ça ? Des gens bien t'ont accueilli. Ils t'ont fait confiance. C'est comme ça que tu les remercies. Oreo, stop. Chut. Ton ami est mort. Je Arrête, Oreo. Mais ce n'est pas une excuse. C'est pas très bon ce qu'il mange. Oula. Qu'est-ce que tu as dit ? Bon, ça suffit. Je vais prévenir le principal. Et ta famille d'accueil. Vraiment. Tel père, tel fils. Oh shit. Je vous interdis de parler de mon père. Ouais, je sais, petit con. La ferme a fait faillite. Ton père s'est tiré une balle dans la tête. Fermez votre putain de gueule ! Vous avez pas le droit de parler de mon père, sale connard ! Vous avez pas le droit. Elle était malade, faible. Je voulais juste l'aider. Fuck ! Wow. On est de retour à l'époque où Harris allait à l'école. Je leur dis de parler de mon père. Ouais, je sais, petit con. Bon, je vis pas ce genre. Oui, il y avait une vache, c'est glauque. Instant crackers, je fais des câlins à crackers. Un vieux trophée. 2042. Première place au tournoi interscolaire de lutte. J'ai trop faim, moi, du coup, là. Je vais regarder quelle école a remporté ce tournoi. Laguna Bend. Apparemment, toute la ville a été inondée dans les années 50. Bon, on sait au moins dans quel coin vivait Harris. Je crois que j'ai fait le tour. Pas trop, non. Je reconnais cette fusillade. On a étudié cette affaire à l'école de police. Ok, il reste ça, mais c'est pas fou. Devine à quelle heure je me suis levé ? Je dirais midi ? Tony ! Oh quoi, encore un truc ? Où est-ce que t'es encore passé ? Viens ici ! J'arrive ! Ah, le père, on le voit pas.
ici. Oui, pas. T'as rien oublié? Je t'ai posé une question. Je sais pas. Les niveaux de colline et de méthionine, tu remarques rien? Ils sont trop bas. T'étais censé vérifier avant d'aller à l'école. Quelque chose à dire pour ta défense? Cette vache va mourir à cause de toi. Tu vas la tuer comme t'as tué ta mère. Je suis désolé. Pas la peine de t'excuser. Règle-moi juste ces hormones. Et éteins-moi ce foutu dessin animé. Combien de fois je vais te dire de pas le laisser tourner comme ça, hein? J'ai passé la moitié de la journée à essayer de couper cette saleté. C'est glauque, hein, quand même. Oh, midi, trop fort, trop trop fort. Oh, y'a quelqu'un là. Y'avait quelqu'un là. C'était glauque. C'est ultra glauque. C'est notre dessin animé. Le petit Tony devait l'adorer. Je crois que j'ai fait le tour. Là, c'est des souvenirs. Des souvenirs mélangés à des rêves. En gros. On apprend rien ici. On revient au début. Tony, où est-ce que t'as encore passé? Harris a l'air encore plus jeune, là. Tu vois ça? La vache est malade, comme le reste. Ouais. Possible de l'identifier. Ouais. Le père du petit, c'était pas attendre. Un bioscanner de bétail pour surveiller leurs signes vitaux. Pas de soucis, pas de soucis. On va revoir là-bas. Un truc là. Qu'est-ce les que c'est? Injecteur d'hormones, d'antibiotiques. Ah ouais. La viande que les gens bouffaient en étant. D'accord. Wow, non mais t'inquiète, hein. T'inquiète, t'inquiète, y'a pas de soucis. Foutu dessin animé. Hein? Et de la paille. Ok. Des compléments dans le fourrage pour protéger le bétail des maladies. Ça a pas très bien marché, quoi. Là. La suite, n'est-ce pas, on voit Okichi partout. Donc là, on est vraiment après, genre quand il regarde le dessin animé. Ou est-ce que c'est la suite, ou est-ce que c'est... Oh, le futur. Oh putain. Oh putain, il a fait la même chose, mais du coup, vu qu'il y avait plus de vaches, il fait ça avec des humains. Oh. Alors attends. Il y a déjà un truc ici. Il y a un truc là. Il y a des câbles. C'est sûrement sa planque. Bah du coup là où il habitait avec son père quoi. Il y a une horloge. Elle indique 23h. 23h. Là, enfin, dans son futur, là c'est le présent. Ça reste que dans le passé on peut pas aller dans le futur, mais c'est le. Ça reste le en fait, par rapport à où on était avant, ça se passe après ce qu'on a vu. Ok. Du carburant. Ça devait être un garage auto ou un truc dans le genre. Ok. Bah non, on était plus à.
Changeons de couche. Ah. Là. Qu'est-ce qu'on entend ? T'entends la même chose que moi ? Une navette à ordures. C'est le signal de largage. Il doit y avoir une décharge tout près. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Là, il y a quelqu'un. Victime. Bordel ! Il traite les garçons ouais, en fait comme du bétail. Ouais, c'est ça. Waouh ! La machine contrôle un système d'injection de stimulants, d'hormones. Il est là, notre ami. Hein. Ou autre chose. Il y a encore un truc là-bas. Wow! Regarde. Encore une. Oh, ça fait peur. On n'est pas bien là. Je vois Randy nulle part. T'inquiète, ça arrive, ça arrive. J'espère le pas en tout cas. Les pompiers. Ceux du sud de la ville. Parfait. Les serveurs. Les enclos. Il doit y avoir une autre console pour les mines et les tourelles quelque part. Ok. Ok, ok. Aïe. Aïe, aïe. Quoi ? Qu'est-ce qui passe ça ? On voit pas. Ah, il y a un truc à regarder, là. Le symbole sur le modèle de ferme indique que c'est pétrochem. Ok, pétrochem. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que tu vas, Mike ? Ah, attends. Les tours illuminées. Elles font la pub de l'album d'Askrax sorti à l'époque. Elles changeaient de couleur toutes les heures. Je crois qu'on a tout vu dans celle-là. Oh là là, on sait où aller. Du coup, il faisait quoi, lui, là ? Ah, on peut pas regarder la suite. Sûr, du coup, on sait où aller. Bon, qu'est-ce qu'on a appris, au juste ? On sait qu'Aris vit toujours près d'une vieille école qui est maintenant sous l'eau. On voit les toits de Night City et les tours des Askrax depuis la ferme. Elle doit être à quelques kilomètres. Et on sait aussi que la ferme est située près d'une décharge. Je devais pas en avoir 10 000, hein. Le code d'expédition sur le jeu que Randy a reçu d'Aris mène au Badland. Bah, les tours pas. De promo pour l'album d'Askrax changent de couleur régulièrement. Toutes les heures. On sait donc l'heure. 11h du soir. Ouais. Ce qui situe la ferme à l'est de la ville. Au sud-est, exactement. Le tampon sur le certificat du NCFD correspondait à la région sud. C'est un modèle de ferme conçu par Petrochem, alors ça élimine les autres. Ce qui réduit les recherches à la ferme Edgewood, c'est forcément là. Alors, ouais. On l'a trouvé ? J'espère juste que j'ai pas merdé. Bien, il faut y aller. Ouais. Allons-y. Allons retrouver Randy. En espérant qu'il soit pas mort. Horrible qu'il fasse ça avec des humains, mais pourquoi il fait ça en fait ? Pourquoi il fait ça avec des humains hein ? Qu'est-ce qu'il a dans la tête le mec ? Bon après il est en prison mort, donc on va pas se faire attaquer. Ça c'est une bonne chose. C'est que déjà il y aura personne sur place pour nous faire chier, sauf s'il a des complices. Mais c'est chaud hein ? C'est chaud, c'est chaud. En gros, il y a donc son neveu qui s'est fait kidnapper. Et en fait, le mec les utilise comme si c'était en fait des vaches, en fait. Mais je sais pas encore pourquoi il les utilise comme ça. En gros, là, on sait où se trouve son neveu. Mais il a été kidnappé par un mec qui a été arrêté par la police. Donc on pouvait plus savoir où il était. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on doit aller le sauver. On va le retrouver. Mais on sait pas pourquoi il a été kidnappé. Enfin, on sait pourquoi, mais pourquoi qu'est-ce qui lui arrive ? Je suis son oncle V, et j'étais pas là pour lui. Putain ! T'inquiète, tu vas déclencher les airbags. À taper comme ça. Aïe, 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 aïe. Tiens bon, Randy. Je t'en prie, tiens bon. Tiens bon, Randy, tiens bon. Tiens bon, gamin. Tiens bon.
Donc là, on va aller dans une ferme qui est loin de la ville. Et où il y aurait justement notre amigo. El amigo, el gamaino. N'est-ce pas? Ah mais on connaît ici, on est déjà monté ici là. Il y avait des gens à tuer. Mais voilà, ils y sont plus si jamais. C'était peut-être moi. Je sais pas. Je te dirai pas. Ah, c'est par là? Ok. La ferme? C'est celle-là? Je suis sûr que c'est celle-là, là, tout droit. Non? Peut-être celle là-bas alors. Tu crois? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi faire? Bon. C'est là? Tu crois que c'est là? Ah donc c'est là. Nous y sommes, Fräulein. J'ai hâte de rentrer en cours. Je me disais... Oh shit, mais y a des mines, hein. Il y a des mines personnelles ici. River, c'est la bonne ferme. On l'a trouvée. Je sais. Il faut atteindre la grange vite. Ouais, mais il y a des... Il y a des booms de partout. Hein. Faut pas y aller comme ça. Pas n'importe. Hein. Je désactive tout. Oh quoi, je prends plus d'XP, Dag. Boum, bébé. Alors, est-ce que je peux ping? Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Près de la grange, deux autres tourelles. Tu te feras tuer si tu passes par devant. Ouais, mais là, j'ai juste besoin de savoir où sont les... Ok. Oh là là, c'est chaud, hein. Augmente la cybercapacité de 10. Pas mal. Je dis pas non. En vrai, ça donne de l'XP, hein, c'est fort. C'est très très fort. En vrai, je dis pas non. Je vais y péter. J'arrêterai quand je vais voir mon waifu un peu. Et bah, pas de soucis. Je sais pas trop. Je pense à la fin de la quête. À la fin de la quête, je pense d'ici une grosse demi-heure. Hey, à terre. Quoi? Quoi, à terre? Bordel, derrière toi. Mais quoi? Il me saoule là à gueuler. Wouah. Tellement d'XP. Pourquoi ça donne pas tout le temps d'XP? Ça a pété, chef. Ok. Pas mal ça.
Il en reste encore là. Pas mal là, on, du coup on peut un peu se faire de l'XP parce que c'est souvent ce qui nous manque, la capacité technique. Donc, tout là ça a été fait, c'est beau. Hein. Quand c'est blanc là comme ça, c'est beau, c'est beau. Et du coup après ce que tu peux faire, c'est t'amuser à faire. Comme ça là. Oh là 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 là, l'XP, l'XP qui coule à flot les amis. Aïe. Je me rappelle à l'époque ça one shot hein, les mines, donc ça va en vrai. Heureusement que j'ai de l'armure. Ah, j'ai oublié toi. Pas mal, je vais en profiter en vrai. Ouh, ça fait y faire boum, bébé. Ok. Ok. Là, on est bien là. Fais attention, ça va faire boum. Ok, on est bien là. Oula, oula, oula. Il y en a tellement. Ok. Niveau 34 là. C'est bien, c'est bien. Très bien, un petit niveau 35 au moins. Parce qu'au moins ça aura fait prendre plein de niveaux. Y'a un truc qui va me péter dessus là. J'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu ce qui allait me péter dessus. Oh, il y en a encore plein que j'ai oublié. Parce que sinon, ça va être compliqué de tout. Ok, bon, on se débrouille en vrai, on se débrouille. On se débrouille, on se débrouille. On est dans un jeu de simulateur de désamorçage de bombes en fait. Ah, le niveau 35. Il apporte quoi le niveau 35? Il apporte un point d'avantage. Nice. Il y en a vraiment de partout. Hein. Il y en a encore à 2-3 endroits. Là. Là. Et oui mon gars. T'as pris la meilleure personne avec toi. Le mec par contre il a tellement pigé son truc. Mais en vrai je m'en souvenais. Je m'en souvenais de ce passage. Merde. Voilà, plus de caméra. Plus rien du coup monsieur. Ouh, niveau 36, bien ça. Bon, bon, on a fini à peu près, je pense. Ah, et toi, ça va? On est un bon ingénieur, hein, franchement.
frapper la porte. Allez. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien. Il y avait rien dans cette, dans ce truc. Il fait vraiment rien. Bon bah pardon. Ça aurait été marrant de les faire péter tout à la suite. Comme ça un peu. Les unes après les autres. Bon après ça donne que 1 d'XP donc c'est pas fou du tout. Entrez le code. Oh. Bah voilà, trouvez le code. J'espère qu'il y a des gens qui ont dû se casser la tête à trouver un code alors que... Voilà. Il y avait une entrée là. Du gaz. Un peu prévisible j'ai envie de dire. Carte d'accès. Plein de cartes. Des cartes. Des cartes. Il y a un sous-sol. Où est ce sous-sol? On voit pas l'entrée du sous-sol. Bon après on va déjà voir l'étage. C'est forcément là. Fouille partout. Ouais. Ça, on me le dit pas deux fois. Clochette. Ah. Ah. Ok. Et donc là, il y a le système des fusibles désactivé. Il y a encore autre chose, il y a encore autre chose. Système de surveillance désactivé. On doit s'attendre ici. Genre y a des ennemis ou pas? Si je fais détruire les ennemis. Ok. Le net. Keystone. Donc ça c'est tout bon. Bon ouais d'accord, d'accord. Du classique. Du classique comme on connaît. On avait vu une échelle tout à l'heure. Petite échelle là. Et du coup on va rentrer par le haut. Allez. River, amène-toi vite. Vite, bro. Bouge là, ton vieux fion. Qu'est-ce que t'as fait encore? Oreo, stop. Fais mal, Oreo. Faites vite, bordel!
Oh, et faites gaffe aux défenses automatiques sur place. Il y en a pas mal. Aïe, 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 c'est glauque, hein. C'est bien glauque, tout ça. C'est très stylé comme quête, de se dire tu vis une paix, mais dans les danses, bon, et du coup, tu connais déjà tout bien. Examine les autres, ils sont peut-être encore en vie. D'accord. Allez. Il est vivant. Doucement, doucement, tout va bien. Hé, hey, t'es sauvé. Waouh, c'est top pour rien. Il est mort, lui. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il est mort. Putain. Mais, aide-moi avec Randy. Bah, deux secondes, il y en a encore un à vivre. À sauver. C'est bon. N'aie pas peur. On est là pour t'aider. T'es un peu déshydraté, mais tu vas t'en tirer. Ouais, mais il faisait quoi avec eux? Aide-moi avec Randy! Vas-y. Vas-y. Bah non, attends les flics, hein, ils bougent plus. On a réussi, River. Ouais, on a réussi. Mais je peux pas tirer un trait comme ça. Les horreurs que ce salaud a infligées, je peux pas laisser passer ça. Compte faire quoi? Tu comptes faire quoi? Le liquider? Exactement. Je vais l'étrangler jusqu'à ce qu'il en crève. Faut qu'il meure, ce taré. Ouais, en vrai, faites ce que ça va faire. Mais sans moi. Tue-le ou épargne-le. Je te demande qu'une chose, River. Quoi? Laisse-moi en dehors de ça. Je veux plus être mêlé à cette affaire. Tu veux pas qu'on y mette un terme ensemble? Je t'ai aidé pour sauver ton neveu. C'est fait. Alors, terminé. Dommage. Je pensais qu'on irait jusqu'au bout ensemble. Ça fait rien. Je me débrouillerai. Bonne chance alors. Ouais. Est-ce qu'on se reverra? Là, c'est un légume, le sûrement. Mec. Un de ces quatre. Pour l'instant, j'ai besoin d'être seul. C'est un légume. Hey, on est prêt à les évacuer. Vous nous accompagnez? Merci, V. Sincèrement, j'aurais pas réussi sans toi. Y'a pas de quoi. Ben, ouais. Appelle si t'as besoin de quelque chose. Eh bah putain. Eh bah putain. Ça rigole plus, hein. Ça n'a pas rigolé du tout ça. Bon bah voilà. J'aurais peut-être dû accepter d'aller le tuer. Vu ce qu'on a vu, mais bon. Gère ta merde, on gère la nôtre. Je propose qu'on s'occupe un peu des quêtes là. Il y avait Panam ici. Il y a pas mal de choses à faire en vrai. Ok, il y a vraiment pas mal de choses à faire en vrai. Donc on va en faire un petit peu et on s'arrêtera tranquillou après.
Allons-y. Allons-y. Ok. Ok. Ok, ok. Bienvenue en zone hostile. Oh, j'ai envie de voir le suicide. Ouh, dur. Et Attends, je me suis trompé du coup, attends. J'ai dysfonctionnement matériel, mais pas ce que je souhaitais avoir. Et bah t'es mort mec. Voilà. On est bien là. Ok. Ok ok. Ce que je voulais voir c'est pourquoi j'ai pas du tout le bon vraiment du système, dysfonctionnement de matériel. Ah, mais ça c'est nul alors. Dégâts électriques, mais c'est nul. Oh, je préfère le court-circuit en vrai. Ouais. On va continuer un peu. Hop là. La musique est même pas finie. Let's go, on est trop rapide. On est tellement rapide que la musique est même pas finie quoi. Ok. Bouya. Bouya. On va faire une petite contagion. Ok. Bah c'est fini là du coup, plus de combat. Tout le monde il est mort. Parfait ça. Ajoute pour prendre l'avantage de votre choix. Ok. Ok. D'accord. Vraiment bien looter hein, parce que ça donne énormément de stuff. Ça aide bien contagion. Ah de fou. Quand il va amener. Qu'est-ce que tu racontes de beau. Ok. Ah il est doré là. Ah mais ça on s'en fout. Ça c'est nul. Ça on s'en fout. Il y a un petit pistolet là. Lexington. D'accord. Attention. Je l'avais prévenu. Ok. Attends, il y a des balles là.
Ok, bah pas dégueu. Et ben on va aller par là. On va aller plus par là et on va se faire ce qu'il y a là. Allons-y. What up, Noise City? Wesh! Ouah! Ah oui! Ça va, elle tient la voiture encore. Elle tient. On est bien. Mais attends, ça c'est encore la ferme. Waouh! Oh bon, on fait demi-tour. Bonjour, la ferme! Où il y avait plein de mines. On doit retourner ici à l'endroit parce que là c'est le lieu où on était mort en fait à la base. C'est le lieu où on est décédé à la base. Ah bonjour. C'est des méchants. Genre Ok, ils sont pas nombreux. Ok, là par exemple, attention. Ouais, je vois ça. Je vais essayer de gérer. Ok. Je vais lui rajouter une surchauffe. Oui. Ok. Alors, je sais pas qui m'a vu, mais on m'a vu. Oh putain, mais ils sont plusieurs. Oui. Ok. Je vais faire une petite cyberpsychose. Ici, je vais faire contagion. Par contre, il n'y a plus de vie. Wow. Ok. Il est trop bien le pouvoir que j'ai activé. Voilà, t'as... Voilà. S'il y en a d'autres... Le poison. Ok. On est pas dégueu là. On n'est pas dégueu. Ok. Ça va en vrai. En vrai, on a bien géré du coup. On a pu bien gérer ce qui s'y passait. Et qui sait ce que vous pourriez trouver? Bah je sais pas du coup, puisque j'ai tué tout le monde. Tu gères beaucoup mieux. En vrai je me suis fait toute une tout un restock, je me suis full mis sur Edge Runner. Et en vrai ça gère. Ça gère. Et du coup fallait que je fasse quoi? Je sais pas. Extrait de data mining. 55. Merde. 55 BD. Mais what? Attends, il est impossible là. Dans tous les cas, il est pas possible. Ok. Pas grave, on le recommence. Mais ouais, je me suis mis beaucoup d'améliorations. J'ai dépensé sans compter, comme on dit. Alors, E9 BD. 55 E9.
55. Un C. Un C55. Tout est là. Et du coup, la quête, je sais pas ce qu'il y a à trouver ici. Là, peut-être qu'il y avait une quête à faire plus tard, mais elle est déjà faite. Alors, BD. BD, BD. Un C. E9. Ouais, tant pis. Parce que voilà, je sais pas du coup ce qui était prévu. Il y a un objet à récupérer de mémoire. Parce que peut-être que ma quête est juste pas lancée, c'est bizarre. The fuck? Non découvert, bah j'y suis hein. Dans le bat. Il y en a plusieurs, attends je vais regarder. Il y a qu'un seul bat hein, on est d'accord, je regarde au cas où. Ouais j'ai l'impression qu'il y a qu'un seul bat de toute façon. Pourquoi ça m'arrive à moi les bugs? Bon ça arrive à tout le monde mais... Surtout sur le jeu. C'est un micro-ondes. Et j'ai récupéré un truc doré, je sais pas si c'était ça. Franchement, peut-être que la quête se lancera à un moment mais... Bizarre. Bon, bah pas grave. Le hangar par où je suis arrivé, peut-être. Attends, je vais faire le grand tour, voir si ça actualise quelque chose. Ouais, non. Et là ? Là-haut. Y'a un truc là. Peut-être juste comme ça, mais non, y'a rien. Ok. Ordi pirate alors. On va peut-être pirater déjà. Donc ça a dû bugger. Là ouais, tous les ordis ont été piratés. L'antenne on s'en fout. Bon. Au pire le jeu nous dira quand est-ce qu'il y aura des choses à faire. Ibn Madri. De toute façon. Oh bonjour. Ok. Bon, on va essayer de grimper là-haut. Même si ça va être très très long pour grimper. J'active que... Ouais, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, en tout cas, on a fait une très très... La quête avec le mec, elle était très sympa, j'aime beaucoup. Mais le fait de tuer quelqu'un qui est déjà en légumes, je trouve que c'est déjà bien mérité. Pas besoin qu'il meure en fait. Justement, qu'il souffre. Je préfère qu'il souffre. Tu vois, le mec qui est devenu un légume là, je préfère le laisser en légumes qu'il se rende compte de ce qu'il a fait. C'est mieux qu'il soit légume. Hein. Ouais, elle est trop bien. Elle est trop trop bien. Ça m'a fait pas mal d'XP en plus.
Mais j'avais oublié à quel point il y en avait énormément comme ça des... Comment, pourquoi il y en a autant? Alors, contagion... Ouais, on va te lancer surcharge. Sors de là. T'as encore rien fait de grave. Et lui... On va lui faire cyberpsychose. C'est la merde. Merde, c'était un gentil. Attaquez-le! Il est vilain! Mais Speedy, j'ai activé le filtre, j'ai pété un câble, j'ai quasi plus de quête, mais voilà. Mais Speedy a fait. Ah ouais, de fou. J'ai l'impression qu'ils en ont rajouté, non? J'ai quand même l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Je suis à de place. Oh, ça va. J'ai du champagne. Wouh. Cool. On va fêter ça. Comme ça. Ok. Bon, bah tant pis pour toi. Hein. Plutôt mettre comme ça. On va avancer un peu. On va avancer un peu. Ah là là, quand même ce jeu, qu'est-ce qu'il aurait été si jamais il avait été, il avait pris le temps. Aïe 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 aïe. Quel jeu ça aurait été quand même. Quel jeu magnifique surtout. Bon. J'avoue qu'on va finir avec ça, je pense. Et demain, de toute façon, on fera les quêtes avec Panam, tout ça. Mais... En vrai, je propose qu'on avance un peu dans tout ça. Ou alors, je préfère pas faire tout Panam maintenant. On fait beaucoup de Panam en ce moment. Oula, alors attends. Bonjour messieurs, il y a une maladie chez vous. Attention. Oh, c'est con ce qu'il a fait lui. Attention! Tu feras attention! Ouh! Voilà! Alors, on a quand même pas mal de niveaux. Hein. On prend bien les niveaux. On prend bien les niveaux. Solo! Solo! Ok. Ah, il prend feu le monsieur, la madame. Ok. Ok, ok. Eh ben... Oh, wow. Du coup, la carte, elle est toute rouge comme ça. Incroyable. Bon, on retournera en ville, je pense. Est-ce que j'ai de quoi retourner en ville ici?
Ouais, là. On va retourner en ville. Comme ça, demain, on sera en ville. Parce que j'ai pas envie de faire trop de Badlands. Les Badlands, je trouve que c'est un lieu vraiment qui fait respirer. On va garder ça pour plus tard, en vrai. Et puis, on a déjà bien live aujourd'hui. On aura avancé sur pas mal de choses. Donc, autant s'arrêter là. Et on continue de toute façon demain après-midi. Puis je commence à avoir un peu le mal à la tête. Et puis mal au dos. Donc on va s'arrêter là, je pense. Comme ça au moins on reprendra vite tranquillement demain. Il faut pas se forcer. Allez. En plus j'ai monté toute la journée. Donc là je suis un peu claqué, j'avoue. Parfait. Mais ouais, c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Bref, et bah c'est pas mal. Nickel, comme ça je retourne me coucher. J'étais là au début, mais je me suis endormi devant la TV. Oh bah tu fais bien d'aller te coucher. Ça, de toute façon, il y a tellement de choses. Mais bon, on avance pas mal, c'est long. Mais ça avance. Comme je disais, on va faire le petit à petit, et puis voilà, au moins ça avance tranquillement. On fait des bonnes sessions, on a de l'argent. On est beau. On a fait une très très grosse session d'ailleurs, où on a vraiment bien spé tous nos points. On va attendre d'être niveau 50 pour mettre les derniers points dans les capacités techniques pour avoir le Edge Runner. Voilà. Et comme ça, on sera parfait. En tout cas, je sauvegarde parce que des fois j'oublie et du coup je dois me retaper des sessions. Donc on va éviter. Voilà, très bien. Je vous mets la petite musique. On se dit à demain. Ce soir. La zone en bas, il y a toujours rien être pareil. Rien être pareil que la zone en haut. Ah ouais, bon, en vrai c'est ça. C'est triste. Bon. J'ai hâte de voir quand même DLC. Hein. Ce sera le même titre pour demain. Le titre de demain sera le même. Va-t-on enfin commencer le DLC? Jusqu'à ce qu'on commence le DLC, ce sera le titre des lives. Bref. En tout cas, merci beaucoup Amnesia d'être resté là jusqu'au bout. Rendors-toi bien. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Et puis on se voit demain. J'espère que ça vous aura plu quand même ces petits lives cyberpunk. Je sais, j'ai regardé un peu les stats et du coup bah, j'ai vu que du coup en termes de stats les cyberpunk c'est ce qui marche le moins, mais moi j'aime quand même faire du cyberpunk. Donc c'est pas grave. En tout cas j'espère que ça vous plaît quand même. Et puis bonne fin de soirée tout le monde. Merci Amnesia. Ciao tout le monde. Ciao ciao, merci beaucoup.